Thank you.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, c'est qu'est-ce que t'en dis? Enfin, c'est Antoine. Et à côté, moi, donc, c'est Brice. Et on aura l'occasion de développer un peu plus sur la présentation pour ceux qui n'ont pas suivi les premières. Mais oui, qui es-tu? Qui es-tu, Brice? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'au niveau du réglage de la musique, on est bien? Et est-ce que vous allez bien? Surtout ça. Surtout ça, c'est peut-être le plus important. Bon, c'est au moment de chaleur, semble-t-il. Oui, 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 on a eu un débat avant le live, parce que si, figurez-vous que... Salut, Lijva. Cet individu à ma gauche, en tout cas à ma gauche, là, dans la pièce où je suis, il est... Salutations à toi, Nard de l'espace. Il est insensible à la chaleur, donc je vous propose qu'on le maudisse. Voilà, ou que je commence par l'asperger d'eau en guise de punition. Voilà. Non, c'est juste un état d'esprit, il ne faut pas y penser à la chaleur. Sinon, quand on n'y pense pas, elle voilà, existe pas. Voilà, la chaleur, finalement, c'est dans la tête. Exactement. La meilleure formule de... Ouais. Arrêtez de psychologiser la chaleur, en fait, franchement. On va dire que oui. Oui, on va dire que oui, nous dit Donio. Bah, c'est bien. Disons oui. Faisons ce pari militant. C'est ça. Prenons cet engagement. C'est le pari d'aller bien, malgré tout. Malgré tout ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on vit dans une société, et ça en dit long sur réfléchir. Et regardez comme Brice, là, il est pensif, d'ailleurs, à ce que je suis en train de dire. Je le matérialise en même temps. Tu le matérialises. Vas-y, alors, vas-y, fais-nous un dessin pour nous dire, voilà. Bon, bonne condition physique, nous dit Anard de l'espace, et s'hydrater aide aussi. Tu veux dire que c'est ce que Brice a et que je n'ai pas? C'est ça que tu veux dire? Chouette Mama nous dit, tout va bien, malgré la chaleur, et tout. Et il y a tellement de choses dans ce et tout potentiellement qu'on va dire que c'est un exploit d'aller bien malgré la chaleur. C'est point de suspension. Voilà. Donc on est dans la même pièce cette fois avec Brice. C'est notre troisième émission ensemble. Vous êtes chez Qu'est-ce que t'en dis pour celle dont ce serait le premier passage ici. Mais pour l'instant, avec les personnes que je vois s'exprimer dans le chat en tout cas. Vous êtes déjà passé par ici et qu'est-ce que je voulais dire? Troisième émission sur cette chaîne d'éducation populaire qu'est-ce que t'en dis? Sur l'Afrique, sur son histoire, sur son présent, sur peut-être son avenir un jour, hein, ça sera l'épisode 37 ou 38, on ne sait pas encore. Wow. Dans le lore Afrique, dans le lore Brice. On en est à peu près à ça. Encore tout à l'heure, en dînant et en discutant de l'émission, on se disait qu'il faudrait un certain nombre d'épisodes pour arriver au bout de cette aventure. Et on ne sait pas encore, on avance un peu en marchant, comme on dit. À voir aussi l'intérêt que dans, voilà, s'il y a des sujets dans les réunions développement personnel, management à la con. Exactement. On avance à tâtons sur les sujets, mais on devra en amener d'autres. Voilà, donc on parle Afrique, on continue à parler Afrique et donc on continue à parler histoire de l'Afrique. Après une première émission où on a parlé de l'Afrique de façon très générale, en mode éducation populaire, en mode connaissez-vous l'Afrique, c'était le sujet tout simplement, c'était la question extrêmement vaste et extrêmement simple à la fois et qui nous a permis de parler, d'effleurer plein de sujets. Et qu'on commence juste à approfondir maintenant. Dans la deuxième émission, on a voulu commencer à explorer, et on va continuer à le faire ce soir, l'histoire de l'Afrique avant cette fameuse époque de la colonisation. Justement, toujours en réponse, en react, comme on dit sur Twitch aujourd'hui, en réaction à cette phrase de Nicolas Sarkozy, qui nous est toujours bien entendu resté en travers de la gorge, de l'homme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire. Nous allons avoir quelques contre-exemples assez éclatants, pour ne pas dire étincelants, sans vouloir trop vous spoiler. On va en évoquer quelques-uns ce soir. Et on va zoomer en particulier sur
sur l'histoire de ce qu'on a appelé l'Empire du Mali, qui va nous amener à définir les termes aussi, hein, parce que c'est ce qu'on fait chez Qu'est-ce que t'en dis pour celles qui ne connaissent pas trop encore, à savoir c'est quoi un empire. Est-ce que c'est le truc dans Star Wars là avec le vieux tout moche qui lance des éclairs, ou est-ce que c'est aussi d'autres choses? Et le Mali, est-ce que c'est le Mali tel qu'on l'entend aujourd'hui, ou est-ce que c'est autre chose? Et d'où vient le nom Mali d'ailleurs? Il y a plein de choses à dire rien qu'à ce niveau-là. Et l'idée, c'est qu'on sorte tous ensemble à la fin de cette émission en ayant un peu progressé, y compris Brice, qui est notre invité, et que je vais laisser se présenter à nouveau, parce qu'on s'est dit, pour celles et ceux qui sont là ce soir, bah vous étiez peut-être pas là les fois précédentes, et du coup, vous savez pas qui est cet invité mystère, finalement, qui n'est pas si célèbre que ça, encore que, voilà, qu'est-ce que la célébrité aussi, finalement? Ça, on va pas le redéfinir ce soir, je vous rassure, on va pas s'écarter trop du sujet ce soir, on est là pour parler bien sûr d'histoire de l'Afrique. Et pour nous parler d'histoire de l'Afrique, depuis 3 émissions, nous avons Brice. Alors Brice, peux-tu nous redire qui tu es pendant que je profite de ton intervention pour me réhydrater? Parce que c'est important chez vous, n'oubliez pas de boire aussi. Il fait chaud, c'est la canicule, et il faut suivre. Il faut suivre, comme toujours d'ailleurs, les consignes du gouvernement. À toi la parole. Donc dans les grandes lignes, pour le prénom. Dans la vie de tous les jours, je dirige une association qui fait de la médiation sociale, et à côté de ça, donc, j'ai diverses passions, dont comprendre un peu plus justement l'histoire de ce continent, parce que je suis originaire, donc je suis originaire moi-même de Côte d'Ivoire précisément, même si ça fait un certain moment que je vis en France maintenant, mais voilà, il y a toujours cette passion en tout cas de savoir à un moment donné, après moult discussions, de savoir un peu qu'est-ce qui a pu se passer sur l'histoire de ce continent-là. Et donc, après avoir visionné les premiers éléments d'échange de la chaîne Qu'est-ce qu'on dit, je m'étais dit qu'il pourrait être intéressant de discuter ensemble de, voilà, qu'est-ce que c'est ce continent, d'où il sort, qu'est-ce qui s'y est passé, en tout cas dans les grandes lignes. Parce que forcément, c'est très compliqué à pouvoir résumer en quelques émissions ce qu'est ce continent. Du coup, tu es en train de nous dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour connaître des trucs. Je ne suis pas historien. Et même, attends, encore mieux, on n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour s'exprimer sur des trucs. Exactement. Donc, tu es en train de nous dire, genre, tous les gens qui sont là, ouais, j'ose pas trop parler, parce que moi, j'y connais rien. Puis si je dis un truc, je vais avoir l'air d'un con. Finalement, non, on peut parler. Et finalement, est-ce que ce serait pas un peu ça, un des enseignements de l'éducation populaire? Il faut être un peu curieux. Deuxièmement, je dirais aussi vérifier un minima ses sources. Et après, donc voilà, être passionné par ce dont on a envie de parler. Le reste, après, vient tout seul, généralement. Mais voilà, le plus important, je pense, à la vérification des sources. Parce que souvent, on peut voir beaucoup de choses différentes. On a envie, par rapport à ses envies aussi personnelles, d'aller sur un sujet ou sur un autre, mais essayer en tout cas d'avoir des sources qui sont plus ou moins neutres pour pouvoir apporter une information qui est, voilà, correcte et peu discutable surtout. J'aurais pas mieux dit. Et Donio a récupéré une récompense, une des rares récompenses qui existent pour l'instant sur cette chaîne Twitch. C'est le streamer se réhydrate. Donc je l'ai fait déjà il y a quelques instants. Mais est-ce que Donio, on peut dire, tu nous réponds dans le chat, que quand le streamer se réhydrate, il faut aussi que l'invité se réhydrate, parce que vous avez compris, hein, il parle beaucoup, il est assez volubile et loquace, cet homme-là. Donc, tandis que le décor est en train de se casser la figure derrière nous. Voilà. Donc il y aura forcément moins de 6 mois de... Pas de marque, pas de placement de produit, s'il vous plaît, la régie, pendant ce qu'on fait le live. Donc, j'aurai des moments de réhydratation. Pour l'instant, ça va. Mais je pense effectivement, avec tous les éléments que nous allons aborder, voilà. Je profite de l'introduction pour rappeler encore une fois à toutes les personnes qui sont connectées, mais pas... comment dirais-je? Qui regardent. Pas dans le chat. Voilà, exactement. Qui sont clandestins. Voilà, exactement. Ce que j'appelle les clandestins, de, encore une fois, ne pas hésiter à, voilà, participer au chat. Ça permet d'avoir plus de questions, de rebondir aussi sur divers sujets. Et ne pas forcer aussi peut-être les mêmes personnes à toujours intervenir. Par exemple, on a Jean M. 111, voilà, hein, je te lis n'importe comment, qui nous pose cette question hyper pointue.
Alors moi, perso, je ne sais pas répondre à ça. Hein. Donc, quid de du cas de l'Éthiopie au 19e siècle? C'est ce que Antoine disait. Je pense que, au vu des questions qu'on a eues sur les trois émissions, on aura besoin de faire des nouveaux. Donc, la dernière fois, on parlait beaucoup d'Égypte. Là, effectivement, la question de l'Éthiopie, qui sont des civilisations à part entière, en tout cas dans l'Afrique. Donc, forcément, aujourd'hui, on va pas les aborder. Mais si vous le souhaitez, on pourra aller peut-être sur un autre temps sur ces civilisations, voilà, que sont l'Égypte et l'Éthiopie. Mais on n'en parlera pas malheureusement pas ce soir. Mais il veut parler vis-à-vis de la colonisation et de l'Italie. Ça, on peut plus facilement. Moi, en tout cas, je peux plus facilement en parler parce que l'Éthiopie, ce qu'on peut dire en résumé, quand même pour répondre un peu et avant d'entrer dans le vif du sujet de notre soirée. C'est que l'Éthiopie a été un des rares endroits en Afrique qui n'a pas été vraiment colonisé, si ce n'est à cette époque qui précède de peu la Seconde Guerre mondiale, voire est intégrée dedans selon les historiens, où l'Italie, qui avait colonisé déjà la Somalie et... C'est le seul pays qu'ils aient complètement colonisé en tout cas. Ils avaient colonisé la Somalie et je ne sais plus quel autre bout, ont essayé de coloniser aussi, de conquérir, hein, ils ont envahi très clairement l'Éthiopie vers la fin des années 30, avant 1939 en tout cas. Mais ça ne s'est pas très bien passé et l'Éthiopie en a tiré une certaine gloire qui n'a fait qu'être augmentée après la Seconde Guerre mondiale, à travers Haïlé Sélassié, qui était l'empereur de l'Éthiopie à l'époque. C'était l'Érythrée, oui, ça devait être ça. Oui. Haïlé Sélassié, qui était dirigeant, qui était empereur, si je ne me trompe pas, de l'Éthiopie. À l'époque où vous avez l'émergence du bloc des non-alignés, ni du côté des États-Unis, ni du côté de l'URSS et de leurs alliés respectifs. C'était une des figures, entre guillemets, des non-alignés du tiers-monde, et tant et si bien c'était un personnage qui, quoi qu'il ait pu faire en termes de gouvernement de l'Éthiopie en tant que tel, avait une aura, était une sorte de figure charismatique, y compris qui apparaît du coup dans les chansons de Bob Marley, etc., etc., quoi. Bob Marley qui n'était pas quelqu'un de très regardant sur les pratiques politiques des dirigeants dont il vantait le charisme. Et il a été imité en ça par un certain Alpha Blondie, mais ça c'est un débat. Je sais pas si j'en ai pas encore discuté avec mon voisin. Je sais pas si on peut être d'accord avec la pertinence de Alpha Blondie qui chante Dja ou Fouette Boigny. Moi personnellement, ça me fait bizarre, mais peut-être que mon voisin sera pas d'accord. Je laisse le débat une autre fois. Voilà, on s'est écarté un petit peu du sujet, mais vous voyez tout ce qu'on peut dire sur l'Afrique et par rapport à nos niveaux de connaissances qui peuvent être hyper différents, on a certainement des choses très, très, très importantes et assez, très très larges à se dire. On va essayer de rester un petit peu dans l'esprit, dans le plan de ce qu'on a prévu de faire, et promis, Jean M111, on reviendra sur tes questionnements sur l'Éthiopie dans une autre émission, parce que c'est sûr que c'est un cas intéressant aussi, l'Éthiopie. Voilà. Je dis pas que les autres parties ne sont pas intéressantes, mais les particularismes de cette histoire sont en tout cas à évoquer. Ça fait partie des choses intéressantes à étudier. Je rame pour essayer de dire où que vous soyez en Afrique, de quel endroit de l'Afrique qu'on parle, c'est évidemment intéressant. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais l'histoire de l'Éthiopie a quand même une particularité. Voilà, elle a des particularités qui peuvent être plus de temps soumis. Déjà d'analyse et il y a beaucoup de débats qui peuvent être créés autour de ça. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant après cette petite introduction. Comme on l'a fait un peu, salut Dini Mandine. qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Bienvenue en tout cas, prends place autour du feu avec notre mascotte qui, je le rappelle chaque fois, s'appelle Renanar. Ça a été un choix démocratique
du chat à l'époque où on a fait ce choix de nom de mascotte Renanar qui nous fait fondre quelques chamallows au coin du feu, et ce soir on se raconte des Amandine du coup. Ah bah j'aurais dû m'en douter. bienvenue et qui donc avec Renanar en mangeant des chamallows. On se raconte des histoires, et donc ce soir des histoires d'Afrique, et plus précisément, après avoir évoqué dans une première émission l'Afrique en général, et avoir évoqué de façon très large et en remontant jusqu'à la préhistoire l'histoire de l'Afrique avant la colonisation, on va évoquer un cas plus spécifique qui n'a pas vocation à dire... Bah, l'histoire de l'Afrique avant la colonisation se résume à ça. Non, il y a d'autres choses à dire, et tout ne s'est pas passé comme dans cette région du monde, notamment dans cette époque que, de façon occidentalocentrée, on appelle le Moyen-Âge. Là aussi, on va pouvoir revenir sur cette acception-là. Voilà, on va citer, on va évoquer en particulier l'Empire du Mali. Mais ça sera l'occasion d'évoquer et de revenir sur tout un tas de choses qu'on s'est déjà dites lors des deux premières émissions. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, et puis cette fois-ci, vous voyez, un, on est ensemble, donc en termes de qualité audio, vidéo, tout ça, ça devrait bien se passer, a priori. D'autre part, on a préparé un petit peu de visuel, donc on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien au niveau enchaînement, recherche du bon endroit d'extrait d'émission, voilà. Pour celles et ceux dont ce serait la première émission sur Twitch, on n'est pas à la radio, et on fait ça avec les moyens, voilà, on fait que ça avec les moyens du bord. Et ce que vous perdez peut-être en qualité d'enchaînement et de virgule et de jingles, vous le gagnez en convivialité. En convivialité, j'ai même envie de le dire comme ça, et aussi en proximité, merci, et aussi en interactivité, ok. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je te laisse la parole un peu pour que tu nous rappelles un petit peu, que tu nous contextualises, et à travers ça, je vais essayer de jongler avec quelques petites cartes. Exactement. De l'Afrique que tu nous as sorties de derrière les fagots, pour que les fagots puissent aller dans le feu que Renanar puisse nous faire fondre ses chamallows. Vous voyez, tout est lié, tout est lié et tout est dans tout. Je te laisse la parole. Donc effectivement, on va essayer d'animer un peu plus, parce qu'on a pu se rendre compte que sur les dernières interventions, voilà, on parlait beaucoup, mais voilà, c'est peut-être plus intéressant d'avoir du visuel. Ça manquait d'image. Surtout sur un continent où tout le monde n'a pas forcément, voilà, lorsque je cite un pays, n'a pas forcément la localisation géographique ni visuelle en tête. Donc ça pouvait être intéressant. Donc là, on va commencer déjà donc, par une image, donc l'image 0, pour... positionner, on va dire, présenter l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, avec le découpage des différents pays que nous avons. Donc l'image arrivera, ou arrive, dans quelques secondes. L'idée jusqu'à présent, en tout cas, on va dire jusqu'à maintenant, l'idée dans laquelle on essaie de sortir, c'était qu'on avait donc un continent qui était subdivisé en fonction des contacts qu'il avait pu avoir avec l'Europe. Donc on s'est posé la question, enfin, en tout cas on se disait, lorsqu'on pose la question à quelqu'un de savoir qu'est-ce qu'il connaît du continent africain, souvent les retours qui étaient dits étaient, donc on a un passé précolonial qui était assez vague sur les descriptifs de ce qui s'y était passé, une époque coloniale où déjà il y avait beaucoup plus d'informations parce que fournies à foison par les colons, et une époque post-coloniale avec notamment les indépendances et tout ce qui a pu suivre. Cette époque, notamment pré-coloniale, était très peu décrite pour diverses raisons, manque d'informations. Donc c'est justement sur cette base-là que le président de l'époque a pu dire, pendant français de l'époque, a pu dire justement qu'il n'y avait pas cette entrée de l'histoire, parce que pour beaucoup, et encore jusqu'à très récemment, on avait l'impression que l'histoire de l'Afrique n'existait pas ou n'avait pas eu lieu avant l'arrivée des colons. Donc sur les premiers éléments, on avait essayé de sortir de ça, en disant notamment qu'il y avait eu une sorte de, même si les termes restent encore très discutés, donc une forme de première antiquité sur le continent africain, avec notamment peut-être la civilisation la plus connue sur ce continent-là, donc la civilisation égyptienne. Donc on parle déjà
de 5000 ans avant notre ère actuelle, qui était réunis voilà, autour de la vallée du Nil, notamment jusqu'à la Nubie. Donc toute cette zone autour de l'Égypte actuelle, et avec cette civilisation, donc, on le sait, qui a été d'abord conquise par les Ottomans, après sous le pouvoir romain, voilà, qui a eu plusieurs évolutions. Donc, comme je le disais, on pourra à un moment donné venir plus spécifiquement sur cette histoire de l'Égypte. En deçà donc, de la civilisation égyptienne, on avait quand même peu d'informations sur ce qui se passait au-dessous du Sahara. Donc, la dernière fois, l'idée était de justement expliquer ça, qu'il y a eu à un moment donné donc, l'émergence de l'agriculture, qui a permis aux peuples qui vivaient dans ces zones-là, donc au-dessus du Sahara, de pouvoir déjà apprivoiser cette agriculture-là, permettre de fait de la maîtriser, de commencer aussi à développer certains arts comme la métallurgie. Et on a pu le dire aussi donc, que ces peuples étaient concentrés plutôt autour de donc, ce qu'on appelle la civilisation bantou. Donc, maintenant qu'on a une carte, ce sera un peu plus facile à focaliser. Donc là, si vous repérez donc, le Cameroun, on est la flèche est vue aussi sur le l'œil, ok, parfait. Normalement il voit la flèche, voilà, donc le Cameroun, donc là qui est pointé, et on va faire un petit zoom avec l'image 1 pour que vous voyez un peu plus précisément où se trouvait cette civilisation là donc on est à peu près entre la frontière entre le Nigeria et le Cameroun actuel, une zone qui est aujourd'hui appelée le grassland, qui une zone très agricole, avec beaucoup jusqu'à présent, hein, qui est très arborée, qui ressemble en tout cas à un lieu de vie par excellence. Grassland, pays de l'herbe. Pays de l'herbe, c'est ça. Et qui c'est qui a donné son nom à cette région-là? C'est un colon qui est arrivé à ce moment-là et qui trouvait qu'il y avait assez d'herbe. Il y a beaucoup d'herbe ici, allez, ça va s'appeler Grassland. Ils sont trop forts, ces colons. Et surtout lorsque l'histoire commence à être recréée, en tout cas, ou en tout cas expliquée. Donc le Cameroun a été annexé par des Anglais et par des Allemands. Donc forcément, d'où le nom Grassland et tout ce qui en est suivi. Donc c'est pas un nom typiquement africain, voilà, c'est pour l'entendre. Donc voilà, donc on a ce noyau-là de personnes qui partent de là, de cet horizon-là, et qui ont commencé à s'étendre sur plusieurs zones de ce continent-là. Donc, on a d'abord donc, ces peuples qui vont commencer à partir sur l'ouest dans un premier temps, donc très légèrement, c'est-à-dire à arriver sur les bordures du Nigeria, donc on a vu tout à l'heure où était situé, et un peu plus profondément, on va aller sur l'est, donc arriver quasiment jusqu'à la Somalie en traversant la forêt tropicale, donc tout ce qui est Gabon, etc. Enfin, Gabon actuel, encore une fois. Et aussi se répandre sur la partie sud du continent, donc en arrivant jusqu'au Mozambique notamment. Donc on aura, de façon assez imagée, une expansion, en tout cas ce qu'on appelle l'expansion bantou, sur une bonne partie de l'est, une grande partie du sud du continent et une petite partie de l'ouest. Voilà. Donc c'est sur ces éléments-là que nous étions arrêtés la dernière fois, en expliquant voilà, certains éléments qui ont causé ces déplacements, ces mouvements de population, etc. etc. Donc j'espère que ça permet au moins de remettre un peu à jour les petites informations que nous avons pu échanger. On avait aussi parlé notamment, donc je reviens sur ça parce que très important même pour l'histoire sur l'Empire du Mali, donc de l'expansion arabe et de l'expansion de l'islam aussi, qui avait entraîné un certain nombre d'impacts, en tout cas dans l'expansion de ces peuples, qui ont été donc islamisés en partie, ce qui a eu des côtés positifs ou négatifs, mais en tout cas dans les côtés positifs, il y a eu cette possibilité de pouvoir commercer avec donc les pays arabes, donc pouvoir parler déjà leur langue et comprendre leurs coutumes via l'islam, parce que fortement relié à la religion, et donc de pouvoir commercer, donc ce qui a permis aussi de pouvoir développer une activité commerciale dans notamment l'ouest du continent. Donc, je fais déjà une première pause à ce niveau-là. Je pense qu'il y a peut-être quelques interventions sur le chat. Jean M111 voulait évoquer Carthage à un moment au sujet de du développement historique de l'Afrique du Nord, en fait. D'accord. L'importance de Carthage dans le développement historique, dans les développements historiques à citer qui ont marqué l'Afrique du Nord. Je pense que c'était ça la question à ce moment-là, vu qu'on est passé très vite sur d'autres choses. D'accord. Voilà.
Mais encore une fois, je pense, voilà, je le redis, on fera un temps particulier sur l'Afrique du Nord. Parce que déjà, de un, je maîtrise moins l'histoire de cette partie du territoire. À part quelques éléments, notamment sur le Maroc, parce qu'ils ont une incidence forte sur l'Afrique subsaharienne. Mais tout ce qui concerne effectivement toute la partie maghrébine, Proche-Orient, égyptienne, j'ai moins de connaissances en tout cas voilà, à l'heure actuelle. Donc je pourrais mal répondre, ou en tout cas très faussement répondre aux questions qui sont posées sur l'Orient. J'ai quelques éléments, mais qui ne suffiront pas à être assez précis. Donc, on a cette expansion bantoue qui a lieu. Ensuite, donc, sur les. Comment dirais-je, du 7e, alors, du 7e au 15e siècle, on a un élargissement donc, de ces bantous-là sur les différentes zones qu'on a pu citer, donc entre l'ouest, le sud et une partie de l'est. Et autour de ces peuples qui sont déployés, on va dire, il y a des empires qui vont commencer à se créer. Le premier qui va sortir tout de suite, donc, qui ressort souvent lorsqu'on parle des empires africains, c'est l'empire du Ghana. On va peut-être revenir sur la carte d'avant, donc la carte 0. Donc le Ghana se situe sur donc à l'Afrique de l'Ouest complète, à l'est donc de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui repèrent, parce que c'est plus, ça ressort le plus. Donc c'est ce pays-là. Sauf qu'à l'époque, l'empire du Ghana n'était pas du tout celui qu'on connaît actuel, parce que le pays Ghana actuellement a été très influencé encore une fois par la colonisation, mais ne correspondait pas du tout à aucun lieu géographique à ce qu'on connaissait de l'empire du Ghana. Donc il y avait ce grand empire qui existait. Il y avait aussi donc l'empire du Mali, dont on va parler un peu plus précisément aujourd'hui. L'empire Songhai ou Songhai, en fonction des sources historiques, mais l'histoire africaine nous dit plutôt Songhai en termes de prononciation. L'empire Kanem, l'empire Bornou, qui va être plutôt situé sur le lac Tchad et toute cette partie orientale, en tout cas sur l'est. Donc ce sont les principaux empires en tout cas qui se dessinent à ce moment-là, avec un développement fort du commerce principalement de l'or, un peu moins du fer, mais qui va aussi jouer, mais surtout de l'or, et qui va donc dynamiser toute cette zone de l'Afrique subsaharienne, notamment autour des zones forestières. Donc là, je reprécise encore, effectivement, du 7e au 15e siècle, là, pour la précision temporelle. Et par la suite, donc, entre le 16e et 19e siècle, on va avoir plutôt des périodes de troubles internes au sein de ces empires-là, sur lesquels vont profiter d'ailleurs les colons, qu'ils soient arabes ou européens, pour justement déstabiliser ces empires-là et pouvoir instaurer, donc, que ce soit l'esclavage ou le colonialisme divin. Donc, voilà, permet un peu de recadrer un peu de façon historique les choses. On va passer à l'image 2. Donc là c'est un petit rappel surtout de comment s'est fait cette expansion bantoue, au moins visuelle. Donc comme je vous disais, une petite partie de l'ouest, des peuples vont encore aller plus loin vers l'ouest, mais les bantous vont surtout se concentrer sur l'est et une grande partie du sud du continent. Donc jusqu'à présent encore le peuple bantou existe, parce qu'avant, lorsqu'on parlait d'expansion bantou, ce n'était pas un peuple en tant que tel, c'était plutôt une langue commune que le colon, encore une fois, a décidé à un moment donné qu'on pourrait considérer comme une langue commune qu'on appellerait le bantou. Mais ce n'était pas un peuple. Maintenant, il y a un peuple qui existe, qui est en Centrafrique et qui est aussi réparti sur plusieurs pays, qui existe. Et pour ceux qui sont des fans d'informatique, il y a le Ubuntu, peut-être, pour ceux qui Ubuntu, oui. Voilà, ouais. Qui sort fondamentalement de ce terme-là, donc c'est un bantou qui à la base veut dire être humain, c'est très simple dans la langue, il veut juste dire être humain, ouais. Et après donc certaines aspirations qui vont venir dire donc toutes les relations que peuvent avoir les êtres humains entre eux. Donc Ubuntu est fortement inspiré de ça aussi, de tous les échanges qu'on peut avoir entre des êtres vivants, pas forcément. C'est pas le seul l'ensemble humain dont le nom veut dire humain d'ailleurs, hein. Il y en a d'autres. J'en ai pas exactement un en tête, mais je suis à peu près certain qu'il y en a d'autres comme ça. D'accord. Voilà. Donc pour avoir un peu aussi un repère d'où sort ce terme-là et pourquoi il a été mis en avant assez rapidement. Donc c'est d'abord une langue commune, c'est-à-dire il y a beaucoup de langues aujourd'hui en Afrique qui sont basées sur cette langue bantou qui a été imaginée en tout cas par ce colon, dont certains symboles se retrouvent effectivement dans le Swahili, dans les langues qui sont parlées au Congo, dans les langues qui sont parlées au Centrafrique. Mais l'idée initiale, c'est que voilà, le bantou, c'est juste un être humain, et lorsque les peuples se réunissaient entre eux, ils s'appelaient bantou entre eux, en disant bah, tu es un autre être humain, et moi aussi, contrairement aux animaux, aux plantes, etc.
Donc c'est un terme qui revenait souvent et qui aujourd'hui est un peuple à part entière. D'accord. Donc l'image de Wang. Donc là on voit effectivement voilà cette expansion. Donc il était important aussi de voir de façon moins visuelle. On va passer à l'image 3. Donc on va un peu plus rentrer justement sur les. Je ne sais pas si on le voit en tout cas ici. Sur les différents empires en tout cas voilà qui existaient de façon très très masse en masse voilà, qui ont été regroupés. C'est pas une carte à l'instant T pour le dire autrement. C'est ça, exactement. Ce que vous voyez là et on le voit bien pour celles et ceux qui connaissent un peu plus l'histoire on va dire d'Afrique du Nord et notamment vous voyez les différentes expansions des différents États égyptiens qu'il y a eu à l'époque de l'Antiquité, et ça vous permet de voir comment, à différentes époques de l'histoire, les différents systèmes étatiques africains se sont étendus, et se sont étendus les uns sur les territoires des autres au gré de leur expansion, de leur déclin, de leur disparition, de leur refondation, etc., etc. Voilà. C'est très important effectivement de préciser ça parce que sur cette même carte, on a déjà à un moment donné des empires qui avaient déjà disparu, qui ont été absorbés par d'autres, qui ont renaît à un moment donné. Donc là, c'est vraiment une superposition, mais qui présente un peu l'organisation que pouvait avoir et les relations. Donc on a effectivement sur ce flanc ouest africain tout un ensemble d'empires qui vont avoir à différents moments des règnes différents et des histoires différentes. On va avoir sur le nord effectivement de l'Afrique, même si on en parle peu, donc effectivement toute cette zone autour de l'Égypte, autour aussi du Maroc, où il va se passer beaucoup d'événements divers. On va avoir à l'est donc toute la zone autour de l'Éthiopie, donc j'oublie M1111 tout à l'heure voilà, qui nous posait la question sur l'Éthiopie. Il y a aussi effectivement beaucoup de choses qui se passeront dans cette zone-là. Et donc aussi un autre espace donc, qui se font appeler les États bantous, sans vraiment être des États bantous, mais qui est aussi le cœur de cette expansion justement bantou, il va aussi se passer tout un ensemble de choses. Donc, ça permet aussi de voir visuellement comment étaient répartis les différents peuples sur ce continent à un moment donné. Sans vouloir trop spoiler la suite de la soirée, mais en revenant plutôt sur un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant qu'on a dit lors de la première émission et qui peut nous aider aussi à commenter cette carte. Vous avez en particulier, et ça se voit un peu là, à travers le califat Omeyyade, qui est le plus grand califat musulman qu'il y ait eu dans l'histoire, hein, en termes d'expansion, etc., et de poids que ça a eu, d'importance que ça a eu dans l'histoire du monde arabo-musulman, musulman de façon plus générale. En fonction des différentes régions d'Afrique et de cette géo-histoire de l'Afrique, du continent africain qui est sous vos yeux, l'influence sur l'organisation étatique de ce monde musulman n'est pas la même. Et donc ce que nous disait Brice lors de la première émission, s'il n'a pas changé d'avis depuis, on va voir, c'est que vous avez en particulier sur le système éthiopien, mais plus encore sur le système impérial d'Afrique de l'Ouest, vous voyez comme je traduis super bien l'anglais, une hybridation entre la culture d'organisation sociale authentiquement d'Afrique subsaharienne, de ces sociétés subsahariennes qui n'étaient pas hyper intéressées par ces organisations étatiques-là, d'États un petit peu issus de la société, mais un petit peu extérieurs à la société, qu'on a un peu aujourd'hui en Occident encore. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même du tout la même organisation sociale et politique que ce qu'on appelle les États bantous, où le terme d'État, d'après ce que Brice nous disait la dernière fois, ne ressemble pas, enfin, ne fait que derrière ce qu'on met derrière ce terme-là, ressemble pas beaucoup à ce qu'on connaît, nous, de nos États. Ce sont des organisations régionales qui fédèrent des populations, mais pas du tout de la même manière. Ça, c'est quelque chose sur quoi on pourra revenir de façon plus détaillée,
ne serait-ce que dans ce système impérial ouest-africain, et où même, on va le voir, je pense, ce soir, parce que je pense que, pour ce que j'en connais, moi, du Mali, l'histoire de l'Empire du Mali, voilà, l'Empire du Mali, c'est pas l'Empire de Star Wars, bien sûr, comme je le disais en introduction, mais ça n'est pas non plus l'Empire romain, ou l'Empire... qu'est-ce qu'on pourrait citer comme Empire... voilà, Byzantin. Bref, l'Empire Byzantin, oui, mais ça c'est une déclinaison de l'Empire romain, mais je cherchais un autre truc, voilà. C'est une autre forme d'organisation impériale, et ça c'est important de l'avoir en tête pour analyser un peu ces sociétés-là et leur organisation politique. Effectivement, donc un premier visuel au moins, voilà, qui permet un peu de marquer peut-être l'esprit sur la suite. Donc on se rend compte assez rapidement avec tous les éléments qu'on a pu apporter qu'on n'est pas effectivement dans un récit qui a pu démarrer avec donc, l'arrivée des Européens, donc la colonisation, parce que là, effectivement, on voit déjà qu'il y a une organisation qui existe. À ce moment-là, donc, ce que vous voyez sur la carte, la seule influence extérieure que peut avoir le continent, c'est avec la population arabe, notamment. On a très peu d'autres influences, en tout cas, aux informations qui sont connues actuellement. Donc, on a une organisation qui se crée autour de tout cela. On doit aussi préciser voilà, que ce n'est pas non plus l'histoire, n'est pas une succession d'étapes linéaires. Parce que souvent, dans certains livres d'histoire, on a l'impression qu'il y a eu, par exemple, pour revenir sur l'expansion bantou, il y a eu l'expansion bantou, juste après, il y a eu les empires qui sont créés, juste après, la colonisation est arrivée, etc. Il y a eu des périodes de forte apogée, il y a des périodes de déclinaison, il y a des périodes où des peuples se sont déchirés entre eux pendant des longues années. C'est-à-dire, avant qu'on arrive à la colonisation, il y a eu des hauts et des bas qui ont été très forts sur ces continents-là, avant que l'histoire, en tout cas coloniale, arrive. C'est important aussi. Moi, c'est pour ça aussi que je la trouve géniale, cette carte. C'est qu'à la fois, elle superpose des moments historiques différents et elle regroupe différentes réalités. Et voilà, ça, je trouve que c'est une excellente illustration, pour le coup. Oui. C'est très bien que tu parles de différentes réalités parce que donc l'idée, c'est en fonction du point de vue que nous avons, donc qu'il soit par exemple maghrébin du nord du continent, qu'il soit égyptien, un peu plus à l'est, enfin nord-est, qu'il soit sahélien, donc on va aller plutôt sur le côté sud-ouest, Afrique de l'Ouest, pardon, qu'il soit centrafricain, donc autour des Bantous et ce qui a pu se passer, ou encore éthiopien, on va avoir une histoire de l'Afrique qui va être complètement différente en fonction de chacun de ce point de vue-là. Donc, si vous vous rappelez, lors de la première émission, je vous disais que l'histoire de l'Afrique, elle est d'abord, c'est d'abord l'histoire de peuple, d'abord l'histoire de culture en tant que telle, avant d'être une histoire de récits linéaires ou de faits qui se succèdent. Enfin, c'est d'abord des peuples qui se créent et qui ont à part entière une histoire à elle. Et ensuite, voilà. C'est pour ça qu'elle est très complexe à aborder, cette histoire en tant que telle. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller donc, un peu plus précisément sur le point de vue sahélien, donc ouest-africain, en zoomant justement sur l'Empire du Mali. Donc on va aller sur l'image 4 et faire un petit zoom justement en espérant que c'est possible de le faire. C'est possible, c'est possible. Si petite cette image. Regarde ça. Bah, c'est parfait. Voilà. Donc là, on a on est de façon historique entre le 13e et le 15e siècle. Donc un peu plus, on va dire même vers le 16e siècle. Donc c'est à peu près vers là que l'Empire du Mali en tout cas va s'éteindre complètement. Donc je parlais tout à l'heure des sources, donc je commence par dire d'où viennent les sources qui vont permettre de raconter cette histoire-là. Important, effectivement. Toujours faire attention à ces sources, il ne s'agit pas de les citer quand on fait un travail journalistique, mais quand on fait un travail d'historien, c'est mieux quand même. C'est mieux, effectivement, c'est plus très, très important surtout. Donc on a des sources écrites extérieures qui viennent notamment de marchands et de géographes, d'historiens arabes principalement et berbères, qui vont eux, souvent pour certains, sans avoir mis un pied dans ces zones qu'ils vont réciter ou raconter, mais qui vont être inspirés, ou en tout cas, qui vont traduire ou mettre sur écrit des récits de marchands qui allaient justement dans ce commerce de l'or, dans ce commerce de métal, etc., qui vont rencontrer justement les peuples africains, et en revenant vers les terres arabes, ou même voir plus haut sur une partie du sud de l'Espagne qui était très mélangée à l'époque avec le nord de l'Afrique, qui vont raconter les récits, et donc on a ces personnes-là qui vont décrire par écrit ce qu'ils ont entendu, en tout cas.
Donc les noms qui vont revenir, on va avoir notamment Al-Oumari, Al-Bakri pardon dans un premier temps, et Al-Oumari, qui vont être les, on va dire, ceux desquels vont s'inspirer le plus, en tout cas l'histoire qu'on connaît actuellement de l'Empire du Mali. Ensuite on aura Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, de même, donc des personnes qui étaient plutôt installées du côté de l'Éthiopie, en fait on est dans ces zones-là, et qui vont aussi avoir des récits de marchands. Donc Ibn Battuta, il a cette particularité quand même qu'il a fait un séjour, en tout cas au Mali, ce qu'il dit, hein. Il a fait un séjour au Mali, j'y étais pas, donc je ne sais pas. Mais en tu tout cas, voilà. N'y étais pas. Sinon, ce serait bizarre. donc voilà, en tout cas, il a fait un séjour au Mali, donc c'est la seule personne, en tout cas, qui a pu raconter des choses qu'il a pu voir de ses propres yeux. Ensuite, on a plutôt des sources intérieures, donc qui sont intérieures au continent, en tout cas, donc des personnes qui ont été sur le continent, ont été sur place aussi, et qui ont pu relater de leurs propres yeux. Donc on va avoir deux auteurs principaux qui vont être Tariq El-Soudan et Tariq El-Fattach, si je le prononce bien. Voilà. Maintenant que nous avons les sources, donc on va... Alors attends, je me permets d'apporter une petite nuance. Oui, voilà, c'est aussi ça l'éducation populaire, c'est d'être... comme on est dans l'interactivité, on peut emmerder la personne qui fait sa conférence et dire « Attendez !» Non, écoutez, maître, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai lu sur Internet, oui. Donc c'est vrai que... J'ai fait mes recherches. Très bien. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé quoi que l'histoire du Mali était aussi beaucoup racontée. Et en tout cas, ça pouvait constituer une source. Griot. Voilà. Très bien. Effectivement, on va y arriver. Ah, on va y arriver, pardon. Non, on va pas y arriver. Enfin, je vais répondre tout de suite, pardon. Vas-y. Parce que... on en avait parlé, je pense, à la première émission. La problématique, en tout cas, qu'on a lorsqu'on veut aborder ces sujets-là, c'est qu'est-ce qu'on considère comme source véritable, crédible et réelle, ou comme peu crédible. Voilà. La problématique de la tradition orale des griots, même si, effectivement, elle vante beaucoup de choses, et je vais en utiliser une partie, notamment pour l'histoire de Sundiata Keïta, elle est très discutée par les historiens. Donc, ouais. On a beaucoup d'historiens qui nous disent ce sont des fantasmes, finalement, qui sont racontés par les griots, c'est trop exagéré par rapport à ce qui a pu réellement se passer, par rapport aux preuves qu'on a. Et d'autres historiens qui vont nous dire la tradition orale, en tout cas des griots, est assez fixée, en tout cas dans la culture africaine, dans la culture malienne, pour qu'on puisse croire à ce qui est raconté de génération en génération. Donc, à partir du moment où il y a ces doutes-là, donc tout de suite, effectivement, je ne les mets pas en avant en me disant ça peut être compliqué à expliquer, tel ou tel aspect. Voilà. Non. Mais sinon, effectivement, il y a une grande partie de l'histoire malienne qui est de tradition orale. Non, mais on peut dire effectivement, oui, c'est tradition orale, de génération en génération, quelle est la fiabilité, etc. Mais quand tu présentes les autres sources traditionnelles d'histoire de cette partie de l'Afrique... Ouais. Enfin, le fait que tu nous présentes ça comme c'est des personnes qui vivaient pas au Mali, qui avaient rencontré des commerçants, qui racontaient ce qu'ils avaient compris de ce qu'ils avaient vu sur place à l'époque. Voilà, et puis c'était pas les photos, reportages, machin. Il se passait un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, entre le moment où le marchand il allait là-bas et tout, il revenait et disait, tu sais, j'ai une sacrée histoire à te raconter. Et le marchand lui-même n'écrivait pas. Donc lui, c'était déjà un petit peu de l'oralité. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut... ça me semble important de contextualiser et de relativiser un peu tout ça. Ça veut pas dire... Enfin, en fait, je le dis surtout parce que de mon point de vue, cette histoire orale, elle est pas... Tu vois, on pourrait avoir, je le dis de mon point de vue d'Européen, tu vois, c'est-à-dire Européen centré, parce que il y a encore trop ce réflexe de... La bonne histoire, c'est l'histoire qui est écrite, tu vois. Oui. C'est voilà, c'est depuis les fondements de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est le truc où on peut écrire. Non. L'histoire, c'est on peut raconter l'histoire autrement aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs qu'on en a parlé au début de la deuxième émission pour parler de comment on passait de la préhistoire à l'histoire en Afrique, parce que justement, en Afrique, il y a entre guillemets ce problème ou plutôt cette problématique de se dire quand commence l'histoire africaine, et c'est de ça aussi que vient l'a priori
dégueulasse et débile à la fois que Sarkozy rapporte de l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. C'est pour ça que je voulais revenir et un peu qu'on s'attarde là-dessus, parce que typiquement, quand tu évoques comme ça les sources de l'histoire du Mali sur lesquelles on va s'attarder maintenant, il y a ces questionnements à avoir en fonction de qui on est et quelle est notre culture historique à chacun de nous. Voilà. Oui, effectivement, donc c'est un point intéressant à aborder parce que bon, c'est forcément une question qu'on aborde, voilà, qu'on creuse un peu, voilà, d'où viennent les sources. Mais comme je pense à la première mission, j'en avais parlé, j'essayais de faire quelque chose qui est assez acté, en tout cas, par la plupart des historiens, où il y a peu de débats sur l'histoire, enfin l'origine de tel ou tel aspect. Donc d'où ces sources écrites-là, où généralement il n'y a pas beaucoup de discussions qui se font. Mais effectivement, malgré cela, on est quand même, malgré qu'il y ait des écrits à terme, mais on est quand même d'abord sur des marchands qui vont réciter des choses, des griots qui vont à un moment donné, lors de festivités, notamment musulmanes, raconter des histoires sur des empereurs qu'il y a pu avoir sur l'Empire du Mali. Et à un moment ou à un autre, c'est d'abord de l'oralité qui va permettre de pouvoir écrire. Et j'ai aussi, du coup, j'ai une autre question, puisqu'on revient sur un peu cette histoire comparée, c'est-à-dire on compare nos façons qu'on a entre différents peuples de produire de l'histoire. Ouais. Est-ce que, quelque part, cette histoire d'Empire du Mali, elle n'a pas été l'objet, parfois, d'instrumentalisation pour dire « Oui, nous aussi, on a eu nos empires, on a eu nos époques un peu extraordinaires, ouais. On a nos Alexandre le Grand, ouais. On a nos Jules César. » Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un peu un côté légende qui s'est formé un peu en réaction de dire aux Européens, bah écoutez, nous aussi on a ça. C'est ça. Et est-ce qu'on en revient de ça? Enfin voilà, c'est une question qui peut être un peu compliquée. Jusqu'à présent, on y est encore, parce que tous, bon, ce qu'on appelle les afrocentristes, qui vont effectivement voir tout l'univers en fonction du continent africain, ça, on rentre aussi dans d'autres extrêmes, vont souvent utiliser, donc, notamment l'histoire de l'Empire du Mali, parce que cette histoire a des preuves qui sont irréfutables de la part de l'Europe, parce que voilà, il y a certains éléments de cette histoire-là sur lesquels on ne peut pas discuter, pour dire que nous avons aussi une histoire qui était peut-être tout aussi grande, voire même plus grande, que ce qui a pu se passer en Europe ou sur les autres continents par ailleurs. Et qui vont essayer souvent, de façon maladroite, à tellement vouloir mettre ça en avant, quitte même à modifier un peu la réalité, ou améliorer, voilà, on va dire, la réalité, en souvent jouant aussi sur l'aspect que ben, même les Européens ont aussi peut-être surjoué leur histoire en vendant des choses qui ne sont pas forcément réalisées. Donc, ou qui sont beaucoup moins glorieuses que ce qu'ils ont voulu prétendre. Ce qu'ils ont voulu vendre à l'histoire. Voilà. Donc, on va être dans le récit national, tout à fait, d'après c'est ça. Donc on a effectivement tout un ensemble de personnes qui vont beaucoup beaucoup jouer sur ces histoires-là en disant, voilà, qu'on avait déjà des cultures, des organisations qui étaient très bien faites et que, encore une fois, les colons sont venus tout détruire alors que sans eux on aurait pu se développer sans que, voilà, encore peut-être plus que le continent européen, encore plus que d'autres continents à l'heure actuelle. Donc que finalement la colonisation est venue freiner. Après, quand on regarde vraiment dans les faits, dans l'histoire, lorsque la colonisation arrive, on est vraiment sur des phases de déclin de plusieurs de ces empires-là. On ne sait pas ce qu'aurait donné, on ne saura jamais, dans tous les cas, la continuité des empires africains si la colonisation n'était pas arrivée. Mais on a quand même un repère géographique, enfin historique, pardon, où on se rend compte que la colonisation arrive quand même dans une phase de déclin de ces empires-là et que peut-être que dans tous les cas, voilà, on ne saura jamais. on va préparer l'audio 1 pendant que je suis en train de faire l'introduction pour qu'on puisse enchaîner donc, sur le créneau là, de 5, 16, 6, 11. Donc on a vu donc, les Arabes qui vont développer très tôt le commerce transsaharien. Évolution avec la population. Avec l'Empire du Ghana, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui est d'ailleurs donc, le plus peut-être connu et le plus ancien empire de l'Afrique de l'Ouest, parce que l'or. Parce que c'est le pays, en tout cas la zone qui regorgeait le plus de mines d'or à l'époque. On va avoir donc cet empire du Ghana qui va se développer tout au long du 14e siècle à peu près, et qui va se développer voilà, jusqu'au 11e siècle, et qui va disparaître ensuite on va dire la colonisation, si je ne passe ce terme-là, de la dynastie berbère. Lorsque l'empire du Ghana s'effondre, on a donc les royaumes sous lesquels étaient donc les vassaux en tout cas de l'Empire du Ghana. Donc l'Empire du Ghana regroupait à la fois le royaume du Mali pardon, et le royaume Soso,
Donc le royaume Soso qui est plus la Guinée actuelle, la Guinée équatoriale, donc la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale actuelle, et le royaume du Mali qui va aussi se retrouver grosso modo autour du Mali actuel. Donc on a ces deux royaumes-là qui sont sous l'aval du royaume du Ghana. Lorsque le royaume du Ghana s'effondre, donc eux ressortent un peu plus, prennent la main sur le commerce et ils vont chercher à prendre un peu leur indépendance pour se mettre en avant sur le commerce. Et assez rapidement, le royaume Soso, donc la Guinée actuelle, va se mettre en avant face à l'Empire du Mali pour gérer finalement toute la zone, dont l'Empire du Mali lui-même. Et donc on va avoir au XIIIe siècle à peu près, donc cette histoire qui va démarrer justement de l'Empire du Mali qui va commencer à prendre son envol sur l'Empire Soso. Donc on va écouter un petit extra audio qui permet un peu de mettre, on va dire, dans l'ambiance cette arrivée de l'Empire du Mali, une croissance. Allons-y, mettons-nous dans l'ambiance. Même si c'est tout, on laisse le garçon faire autant d'enfants qu'il veut, dès la sixième, Mais la fille, je suis en permanence de la pédagogie. Thierry Secretan, journaliste et photographe. Il est très pragmatique, très direct, très franc. Enfin, c'est le grand frère idéal. J'ai filmé une rencontre avec des lycéens. Plus tard, la connexion de CDR et de CNR devait se faire. Tout ça, c'est le secrétariat national de CDR. qui gérait les CDR, et on s'est aperçu aussi qu'il y a des problèmes de mobilisation de femmes, on ne peut pas le donner tous au CDR. Attendez, je suis pas sûr d'avoir mis la bonne émission en plus. J'ai peur d'avoir mis une émission sur Thomas Sankara. En plus de l'avoir mis en double, je ne sais pas comment ne pas le mettre en double, soit dit en passant. Le visuel est bon, mais là, on va être mieux. Je me demandais ce qui se passait. Bon, comme j'entendais pas, je savais pas trop non plus ce qui était diffusé. Normalement, je pensais que c'était bon. On n'était pas si loin que ça du thème. D'accord. Mais voilà. Bon, si vous faites de la radio, ne faites pas ça, bien entendu. C'est possible seulement sur Twitch et encore sur les petites chaînes Twitch. Voilà, alors pour qu'on l'entende pas en double, comment faire ? Je ne sais pas bien, pour être honnête. Couper le micro. Ah, peut-être. Peut-être qu'il faut couper le micro. Je retente, en tout cas. J'ai mis le bon son, normalement, et on va retenter. Et ensuite, un repli plus au sud, à nouveau dans une configuration sur un royaume plus modeste. Voilà, donc 13e siècle, on va dire, pour le début, avec une histoire qui s'écrit avec des personnages, comme toutes les histoires. Et parmi ces personnages, il y en a un remarquable. Alors que le soir tombait, on vit apparaître face au couchant Sundiata, accompagné de Mandingbori, de Kologan et de Balafaseke. Le cœur du mandingue battait dans le même rythme. Le mandingue libre allait recevoir son chef, son roi. Peuple réuni, fils du mandingue, je vous parle. Je vous transmets le salut de ma grande Sundiata. Vous tous, peuple réuni, Sundiata vous salue. Nous voici après de longues années, de dures épreuves, réunis autour de notre sauveur, restaurateur de paix et d'ordre. Donc là, il y a comme un écho parce qu'on a mis la musique. Voilà. Alors, est-ce que vous nous réentendez là ? J'ai remis le micro normalement. Voilà, donc un petit extrait qui nous remettait dans l'ambiance. Exactement. Donc l'histoire de cette émergence, de cet empire. Donc avec ce fameux nom qui va arriver très rapidement, en tout cas dans l'histoire du Mali. Je vais essayer de le prononcer correctement, Sundiata Keïta. Exactement, très bien dit. Merci. Sundiata Keïta.
Bah, c'est qu'est-ce que t'en dis, donc il faut être au niveau. Donc l'histoire commence effectivement avec donc, le roi des Malinkés, donc le roi de l'Empire du Mali à l'époque, qui s'appelle Narifa Magan, qui avait plusieurs femmes, dont une qui s'appelait Sogolon Kondé. Donc ne vous fatiguez pas à retenir les noms en tant que tel. Par contre, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'histoire du Mali, c'est des noms qui vont compter fortement, parce que ça sera après couples entre empereurs et femmes d'empereurs qui vont se créer sur des lignées bien particulières et qui vont fortement jouer aussi sur l'histoire du Mali. Pas d'impératrice du coup ? Pas d'impératrice. À l'époque, je pense. Pourquoi ? On ne saura jamais. Est-ce que le 100% ou l'équilibre entre hommes-femmes et les responsabilités qu'elles avaient était déjà à l'ordre du jour ? On ne saura pas. Mais en tout cas, pas d'impératrice sur cette partie de l'histoire. Et même après, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de présidente au Mali ni de... Bon, bref. Non, mais c'est un sujet. C'est un sujet, effectivement. En tout cas, voilà. Mais on ne va pas en parler ce soir. C'est ça. Cette femme donc, donna naissance à un fils donc, malade qui n'arrivait pas à marcher, en tout cas à l'époque. Donc, encore une fois, c'est plutôt l'histoire qui nous vient des griots, donc de la tradition orale, avec tout un ensemble aussi de légendes autour d'un homme surpuissant qui arrivait à survivre d'un handicap. Donc il ne marchait pas et arrivait à marcher un jour où voilà, il avait besoin d'être debout. Qui s'appelait donc Sunjata. Ouais, mais c'est une légende qui est racontée différemment que tout un tas d'autres légendes historiques. Enfin, légendes historiques, ça peut paraître paradoxal, mais c'est un peu ça quand même. C'est ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure déjà, où on nous parle de enfin, j'évoquais Alexandre. Alexandre le Grand nous est toujours présenté comme quelqu'un qui a été dès le départ extrêmement brillant, intelligent, fort, puissant, grand stratège, etc., etc. Enfin, voilà. Jamais avec le moindre handicap physique, quoi. Je trouve que c'est déjà une particularité qui est notable. Donc effectivement, là, on a une entrée comme quoi, donc une personne voilà, qui est malade, qui n'arrive pas à marcher, qui va marcher très tardivement et encore avec beaucoup de difficultés, mais qui va surtout se révéler lorsque son pays aura besoin de lui, ou en tout cas son territoire aura besoin de lui. Donc à l'époque, on a donc l'Empire Soso qui domine effectivement cette zone-là, donc avec un roi qui s'appelle Somavao. Je remets la carte ? Non, pour l'instant, ça peut... Oui, peut-être, effectivement, pour qu'on puisse quand même avoir des repères. Allez. Voilà. Donc, l'Empire Soso qui va aller, comme je disais, sur la Guinée actuelle, donc et plus actuelle. sur l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, et qui va remonter jusqu'à à peu près sur la Mauritanie, voilà, une partie de cette zone. Donc, on a cet empereur, bon, à l'époque, c'était pas tant un empereur, plus un roi, donc Somavao, qui va essayer d'envahir l'Empire du Mali au maximum, et qui va être confronté quand même à une rébellion dans laquelle Sunjata, à un moment donné, va être amené, en tout cas appelé par ses concitoyens à être impliqué fortement, parce qu'il était lui-même fils du coup de l'ancien roi qui était décédé depuis. Donc le roi du Mali, du coup. Voilà, exactement. Donc c'est cette légitimité en tout cas, parce que souvent on demande pourquoi cette personne-là en particulier, c'est pas tant parce qu'il était le plus fort et autres, c'est d'abord parce qu'il était le fils du roi qui avait été lui battu par le roi de l'Empire Soso. C'est complètement anachronique, mais ouais. C'est ce week-end j'entendais une conférence gesticulée sur laquelle on reviendra peut-être dans quelques mois sur cette même chaîne. Mais donc il y avait cette blague qui est prêtée à Rockefeller. C'est un Rockefeller qui dit le premier jour j'ai vendu deux pommes, je les ai fait briller. Je les ai vendus du coup contre 4 pommes que j'ai faites briller. Je me suis retrouvé avec un cajot de pommes que j'ai refait briller. Et à la fin de la première semaine, j'avais une auto. Je l'ai faite briller. J'avais trois autos au bout de 3 semaines. Et à la fin du mois, mon père m'a légué $1 million. Voilà. Wow, ça c'est de la légende. Ouais, mais voilà, non, mais c'est un petit peu voilà, des empereurs de l'époque aristocratique aux nouveaux empereurs de l'époque capitaliste. Voilà. Exactement. Avec chacun ses moyens d'expansion, on va dire. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Fin de la parenthèse. Donc, je te laisse préparer la vidéo 1 avec. Donc, on est en 1230 à peu près. Donc le peuple qui souhaite se révolter, en tout cas dans le pays du Mali, donc il va solliciter Sunjata Keïta pour qu'il puisse être au devant en tout cas de la rébellion contre l'Empire Soso.
Et donc, c'est Takehita qui va se révéler être un très bon stratège, un très bon guerrier, un très bon meneur, et qui va donc remporter une victoire importante à cette période-là contre l'Empire Sōsō. À partir de là, donc, tous les principaux, on va dire, peuples qui étaient un peu sous l'aval de l'Empire du Mali, donc vont faire confiance à cet homme-là et vont mener aussi des batailles auprès de lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à se créer le fameux Empire du Mali sous la responsabilité de cette personne-là, donc Sunyata Keita. Donc voilà, petit extrait vidéo pour pouvoir comprendre un peu voilà, qui était cette fameuse personne. Alors, je vais bouger un peu ça parce que ça me met une pub. Donc voilà, c'est le problème avec YouTube. C'est à 9 minutes combien tu dis ? C'est 5-16. Ah, c'est à 5 minutes 16 ? 5-16, oui. D'accord. T'es sûr ? Ouais. En tout cas, si c'est la bonne vidéo. Mais il me semble que c'est la bonne. 5-16. Histoire du Mali, le royaume le plus riche du Moyen-Âge. Hop, on rebascule sur le bon écran. Sous vos yeux ébahis. Pardon, oula, 8-23, excuse-moi. Je lisais. Ah, bah c'est bien ce que je me disais. 8-23. C'est ce que tu m'avais dit avant. De 8-23 à 8-40. Voilà. On y est, c'est parti. Nom auquel on peut prêter un fond historique. L'épopée décrit par exemple un espace morcelé politiquement et en proie aux raids de ses voisins du Nord qui se fournissaient en esclaves dans la population locale des Malinkés. L'unification du royaume du Mali par Sunjata aurait ainsi permis de mettre fin à cette traite esclavagiste et enfin de faire respecter l'ordre. Le Mali n'est pas le premier état centralisé d'Afrique de l'Ouest. Avant lui, on trouve le royaume du Ghana, qui a unifié de la même manière un territoire de palmeraies aux alentours de l'an 1000 dans le bassin du fleuve Sénégal. Le Ghana est intégré au royaume du Mali vers 1240. Plus à l'est, le royaume de Gao, situé dans la boucle du fleuve Niger, contrôlait lui aussi un débouché d'une route commerciale transsaharienne. Appartenant à l'ère culturelle des Songhais, il est absorbé également par le Mali. Le Mali... Voilà. Donc, on a effectivement donc cette personne qui, avec un rôle prédominant donc, qui va arriver à la tête de l'Empire malien et qu'on va proclamer Mansa, donc, qui veut dire tout simplement empereur. Donc, pour ceux qui ont déjà la référence après, on comprend aussi pourquoi il y avait un certain Mansa Moussa et comprendre aussi que ce n'était pas son vrai nom, de fait, qui voulait tout simplement dire empereur Moussa. Donc, il a cette intronisation qui est un terme très fort à l'époque, donc surtout dans l'Empire malien, lorsqu'on a cette connotation de Mansa. Donc, empereur déjà dans l'histoire occidentale, c'est quelque chose de fort. Mais il faut imaginer vraiment l'hégémonie du terme. Vraiment, c'est le dieu sur terre à cette période-là. Donc, le roi des rois, l'empereur, le numéro un en tout cas. Donc, il prend ce rôle et il va effectivement permettre à ce pays... géographique de pouvoir se développer en organisant tout un ensemble d'éléments du quotidien hein, qui vont être tout simplement organiser les différents peuples qu'il y a, avoir des soldats, avoir des personnes qui sont plus dédiées à l'agriculture, voilà, organiser cet espace de façon très pertinente et qui va permettre justement à cet empire de pouvoir se développer au fur et à mesure et d'avoir aussi des relations commerciales plus maîtrisées avec les pays arabes. Je précisais aussi effectivement qu'il y avait quelques difficultés historiques donc par rapport à ce qu'on disait à valider l'existence du personnage en tant que tel parce que entre tradition orale et vision afro-centriste qui exagère beaucoup de choses sur ce que pouvait être l'homme parce que parfois on va même sur des attitudes carrément spirituelles qui dépassent même l'entendement. Donc souvent effectivement sur certains faits il y a beaucoup de discussions. On peut être entre le récit, le roman national, la légende nationale, on peut avoir nous par exemple Vercingétorix, des personnages beaucoup plus proches de nous. C'est ça. Et où malheureusement on n'a pas de traces, on va dire, on n'a pas de visage, on n'a pas de récit même au sein de ceux qui ont pu les traces écrites qu'on a retrouvées, on n'a pas vraiment de récit de cette personne-là. Donc on admet de façon uniforme que c'est
il y a un homme qui a prédominé sur l'existence, en tout cas, ou la création de l'Empire du Mali. On présume que c'est cette personne-là qui était l'un des fils du roi, mais sans savoir si c'était vraiment Sujata Keïta ou une autre personne éventuellement. Et on peut supposer de façon assez crédible qu'un certain nombre de choses qui sont racontées sur comment il administre l'Empire du Mali à l'époque sont plutôt des façons de raconter qu'est-ce que peut être un bon dirigeant d'un pays en fonction de qui raconte l'histoire. Parce que la structure, on va mettre l'accent sur sa capacité peut-être à mettre l'accent sur certains secteurs économiques ou à favoriser certaines classes sociales ou à plus ou moins écouter le peuple, j'imagine. Il doit y avoir différentes versions qui existent alors du coup. Mais il y a différentes versions qui existent. D'accord. Encore une fois, comme je disais, en tradition orale qui vont être beaucoup sur c'est le meilleur, c'est lui qui a tout fait. Vision afro-centriste, c'est le meilleur, il a fait mieux que ce qui a été fait en Europe, et d'autres encore visions qui vont entrer sur d'autres angles de vue. Mais là où, on va dire, les différentes visions se rejoignent, c'est qu'il a établi, en tout cas, il ou quelqu'un d'autre, a établi une structuration de cet espace-là, avec différents peuples qui existaient, qui étaient très pertinentes et très cohérentes avec ce qui se passait à l'époque. Là, tout le monde est d'accord au moins sur ça. Donc, c'est ce qui doit être mis en avant. Disons qu'il y a, on peut supposer de façon un peu plus plausible qu'à ce moment-là, il y a eu une organisation sociale possible sur un espace assez important, fédérant d'autres espaces qui avant n'étaient pas ensemble. C'est ça, exactement. Qui appartenaient à d'autres, donc à l'Empire Soso, à l'Empire du Ghana, qui vont eux déjà avoir un nouveau leader. Il faut réussir, faut penser, hein, à l'époque, c'est des peuples qui ne parlaient pas les mêmes langues, qui n'étaient pas du tout dans les mêmes organisations culturelles. Donc à un moment, arrive cet homme-là, qui arrive malgré toutes les différences et le commerce arabe, donc toutes les influences sociales extérieures qu'on peut avoir, à organiser cet espace et à dire, ben, moi voici, j'arrive même à le délimiter, voici l'espace sur lequel je dirige et voici comment il est organisé. Ça, pour l'époque, effectivement, c'est déjà quelque chose d'important. Voilà. Je vais émettre une théorie, ça n'est qu'une théorie, on va dire que c'est une conjecture pour être le plus juste possible dans la méthode scientifique. Est-ce que, quelque part, si je me place maintenant du côté de ces ressortissants du monde musulman de l'époque, qui racontent l'histoire du Mali, racontée par des commerçants qui sont allés là-bas, il n'y a pas un peu le côté... Je vais vous parler de cet endroit qui a l'air quand même assez chouette, déjà en termes de ressources, et aussi en termes d'organisation. Vous inquiétez pas les gens, ça ressemble quand même un peu, vous savez, il y a un empereur, il est en train de faire des grands trucs, il fédère un espace assez important. Il y a du business à aller faire là-bas, des rencontres à faire, il y a des gens peut-être aussi à convertir. Parce que ça, je ne sais pas si tu avais l'intention de revenir dessus, mais sur la partie religieuse, la légende raconte, de ce que j'en sais moi, c'est que ce fameux personnage, ce très fameux, très illustre personnage, aurait vécu dans l'islam sans pour autant, contrairement à bien d'autres dirigeants de l'époque et même là aussi d'époque bien plus récente, chercher à convertir d'aucune manière les populations qu'il administrait, qui elles étaient très, dans une immense majorité, pas du tout musulmanes. Effectivement, on avait beaucoup, et on le retrouve encore sur l'histoire contemporaine, hein, notamment même au Mali et dans d'autres zones, dans d'autres pays alentours, ce contraste qu'il peut avoir entre effectivement une culture musulmane qui a été à un moment donné imposée, hein, il faut le dire, et donc parce que avant l'islam, donc effectivement les peuples qui étaient là croyaient en des choses, différentes choses, qu'on résume maintenant par l'animiste. Mais effectivement, il n'a pas essayé à ce moment-là d'imposer quelque chose. Lui, de la même façon qu'il s'est converti, donc on ne sait pas si c'était pour des raisons qu'il y croyait vraiment à la religion, ou dans son rôle d'empereur, c'était beaucoup plus facile pour lui pour pouvoir aborder le commerce avec les Arabes. C'était plus facile, c'est juste tout simplement de l'opportunité. La moulaga vaut bien une messe. Voilà, c'est ça. Donc faire quelques prières, pourquoi pas, si on peut avoir de l'argent en contrepartie. Donc il y a aussi, effectivement, pas mal de débats sur cet aspect-là. Crusader Kings. Donc ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi il n'a pas forcément voulu derrière convertir tout le monde, tous les peuples sur les qui étaient sous son emprise. Donc un petit audio à écouter, donc l'audio toujours la même émission mais un peu plus loin, je crois. Je suis resté sur deux médias.
Merci. C'est déjà assez. C'est déjà assez galère comme ça. Donc, vas-y. Introduis ton audio. Je vais essayer de pas me planter cette fois. D'accord. je me suis perdu du truc. Donc voilà. Donc je disais effectivement qu'il a été dans quelques difficultés à valider le personnage en fonction des traditions orales et autres, mais qui va avoir un impact fort de fait sur la construction de l'Empire du Mali. Donc cette petite audio vient nous raconter un peu justement comment. Qu'est-ce qui déjà a attiré et comment s'est développé justement cet empire-là et autour de quoi ? C'est à partir de la minute 7. Bon, j'y suis à peu près. C'est parti. Donc de l'Empire du Mali. Il y a donc dans les sources arabes médiévales, le fondateur est appelé Mari Djata, donc qui est un autre nom de Sunjata Keita. Donc on sait que c'est un personnage qui a existé, un personnage historique. Mais si on prend les sources arabes médiévales, le récit officiel d'histoire officielle qui est diffusé par le sultanat du Mali commence avec le fondateur Mari Djata. Alors que dans la tradition orale mandingue, le récit de fondation se concentre sur la geste de Sunjata Keita et sur on va dire l'arrière-plan historique qui a mené à sa prise de pouvoir et à la fondation de l'empire. Et le problème, c'est qu'évidemment, la tradition orale n'est jamais figée. Elle évolue en fonction du contexte historique, avec le temps, et elle est conditionnée par un présent d'énonciation. Ce qui fait que le récit tel qu'il est connu aujourd'hui, tel qu'il a commencé à être consigné au XIXe siècle, a déjà un peu évolué. Donc, on est capable de voir que de saisir un peu cette évolution de la tradition orale. Et évidemment, il nous est arrivé sous une forme semi-légendaire. Donc c'est très très difficile d'utiliser ces textes de la tradition orale pour faire de l'histoire médiévale. C'est extrêmement intéressant pour étudier les problématiques plutôt médiévalistes, c'est-à-dire les discours du présent sur le passé médiéval. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sunjata Keita a été choisi par les intellectuels ouest-africains dans les années 50 comme figure fondatrice d'un roman qui est d'abord pan-national, pan-africain, qui devient ensuite roman national malien, comme figure fondatrice du roman national malien, et notamment avec un slogan très accrocheur pour réfuter l'histoire qui était enseignée par le colonisateur dans les écoles, « Notre ancêtre Sunjata contre nos ancêtres les Gaulois ». Voilà. Donc effectivement, c'est ce que je trouvais intéressant, cette dualité qui se faisait entre nous avons une histoire africaine contre votre histoire européenne, et voici ce que nous pouvons prouver de cette histoire, etc. Donc c'est pour ça effectivement qu'à certains moments on peut quand même douter de certains faits qui ont peut-être existé. Alors, on ne sait pas, mais voilà. Alors, je trouvais intéressant cet extrait-là qui présente un peu pourquoi. Ça revenait bien sur des choses qu'on a dites. C'est ça, exactement. Voilà. Enfin, surtout sur la partie tradition orale. Surtout sur la partie tradition orale. Et pourquoi il y a beaucoup de discussions autour de ça. Ouais. Je te laisse préparer la prochaine et je l'entame. Donc, on a à un moment donné cet empire du Mali, qui, ce qu'on appelle le Soudan occidental, qui va contrôler tout le Soudan occidental. Principalement qui va commencer à partir du Sahara jusqu'aux forêts guinéennes, donc ivoiro-guinéennes, donc Côte d'Ivoire-Guinée jusqu'au Sahara, et de façon un peu plus à l'est sur la frontière avec le Mali et les pays qui peuvent être un peu plus à l'est du Mali. Donc on a cette zone-là qui potentiellement en tout cas renferme à peu près 400 villes et près de 100 000 habitants, pour avoir un ordre chiffré de la grandeur en tout cas de cet empire. Donc, petite vidéo, encore une fois, pour pouvoir illustrer ça. Et c'est donc une sorte d'entité qui se superpose à d'autres royaumes existants. On pense aujourd'hui que le pouvoir royal est en fait venu s'ajouter à celui des chefferies tribales qui existaient déjà. Le roi aurait pu garantir la sécurité en échange d'un titre prestigieux et du prélèvement de richesses dans leur territoire. L'organisation politique du royaume, elle semble donc reposer sur un système de vassalité, puisque les sources arabes mentionnent d'autres rois qui auraient prêté allégeance au grand roi du Mali. Du coup... Voilà, donc une espèce de féodalité qui est racontée à l'époque aussi, une espèce d'analogie de féodalité du Moyen-Âge, effectivement, avec le grand roi du Mali, d'où la notion d'empire. C'est pour ça qu'on peut parler d'empire aussi. C'est l'empereur, c'est le roi des rois, là. C'est ça. Donc en fait, on est sur une définition qui est plus universelle que ce qu'on pourrait penser. C'est ça.
Un petit distinguo quand même. Alors vas-y, reviens sur le petit distinguo, ça m'intéresse. Qu'il y a pourquoi dans Roi des Rois, c'est qu'effectivement, dans cet empire-là, il y a beaucoup de royaumes divers. Avant, il n'y avait que le royaume du Mali, donc le royaume du Mali qui passe à l'étape d'empire, en tant que tel. Et en dessous, enfin dans la constitution des empires, donc ces fameux 400 villes, il y a quasiment 400 royaumes divers, donc avec les différents peuples, etc. Donc l'idée en tout cas de Sundiata, c'est de se dire, je ne vais pas revendiquer la plupart, ces différents royaumes-là, je me place au-dessus, mais par contre j'organise et je les mets sous mon aval. Donc on a effectivement plusieurs rois qui vont avoir à certains moments des organisations très spécifiques dans leur royaume, qui complètement différents en tout cas de la politique que pouvait mener Sundiata à une époque, mais un système de taxation, un système d'organisation de l'agriculture, un système d'organisation juridique qui va fortement impacter ces différents royaumes-là et auxquels ils vont leur porter allégeance parce que n'ayant pas le choix, parce que l'Empire du Mali avait à ce moment-là une force de frappe, que ce soit militaire et commerciale et économique, face à laquelle ils ne pouvaient pas rivaliser. Voilà. Et est-ce que, je dis ça de façon complètement innocente, ouais, ces systèmes survivent à la fin de l'Empire du Mali et jusqu'à quand est-ce qu'ils survivent, si c'est le cas? Ils arrivent à survivre jusqu'à la fin de l'Empire du Mali, donc c'est-à-dire après le grand Mansa Moussa. Ils arrivent à survivre, mais ce sera aussi l'une des causes du déclin justement de l'Empire du Mali, parce qu'à un moment donné, forcément, il va y avoir quelques empires qui vont vouloir avoir plus de pouvoir que nécessaire, ce qui va créer des conflits internes et qui vont, avec d'autres causes en parallèle qui avaient lieu, donc amener petit à petit l'empire à se fracturer. Et aussi, on avait moins à la mort de Mansa Moussa, on n'aura plus ce pouvoir, en tout cas caractérisé par un homme puissant en tant que tel, comme pouvait l'être Sundiata Keïta ou Mansa Moussa à l'époque. Voilà. Mais ça va quand même perdurer jusqu'à quasiment la fin du XVe siècle, avant que l'empire du Mali commence à tomber. D'accord. Donc nous sommes à peu près en 1300, on va avoir donc le grand Sundiata avec tout encore une fois les précautions voilà, sur la personne, donc il meurt. On va avoir tout un ensemble d'empereurs, donc qui sont principalement ses fils ou ses neveux ou d'autres voilà, de sa lignée qui vont lui succéder, jusqu'en 1307 où va arriver un de ses neveux qui s'appelle Kankou Moussa. Basiquement, c'est le nom, son nom premier. Mansa, signifiant donc empereur, il aura donc le rôle d'empereur, donc il va s'appeler Mansa Moussa. Je me rappelle que la question avait été posée lors de la première intervention que nous avons faite, parce que la personne était dans un jeu, donc le jeu des civilisations, je crois. Oui. Il avait un rôle particulier dans ce jeu-là. Donc je vous avais dit qu'on en a parlé, donc voilà. On va un peu plus dérouler. Donc l'histoire de Mansa Moussa, donc lui qui commence à régner en 1307 jusqu'en 1337, donc on a à peu près 30 ans de règne sur l'Empire du Mali, va avoir un aspect particulier, donc en dehors de plusieurs faits, va être intéressante à aborder pour justement contrephaser la phrase de Sarkozy, parce qu'on aura là un homme qui va vraiment marquer l'histoire du Mali et plus généralement du continent subsaharien à l'extérieur du continent africain. C'est-à-dire que ça va être l'une des premières personnes qui va être connue sur le continent occidental par divers faits et surtout qui va marquer l'histoire et même qui va avoir un effet peut-être contre-productif, c'est-à-dire qui va attirer finalement certains colons à venir sur ce territoire-là parce que voilà, il donnait l'image d'un continent qui était très florissant, où il se passait beaucoup de choses, où il y avait de l'or à profusion, etc. etc. Faut que tu te rapproches juste un tout petit peu de moi, parce que là, tu es un petit peu presque sorti. Ah oui, je suis parti du surmoi. Je suis dans l'inspiration. Voilà. On a cet empereur-là qui arrive et qui va donc participer, comme je le disais, à inscrire l'Empire du Mali dans les mémoires de tous, donc occidentaux comme africains, à cette époque-là. Donc, petite vidéo, encore une fois. On commence 2.34, allez. 1:10 à peu près pour expliquer un peu son influence. C'est parti. Assez subitement dans le monde médiéval musulman. En 1324, en Égypte, alors contrôlée par le sultanat mamelouk, arrive une étrange caravane. Le roi Moussa du Mali, accompagné de plus d'un millier de ses compatriotes, fait escale sur la route du pèlerinage de la Mecque. Après avoir traversé plusieurs milliers de kilomètres de désert à dos de dromadaire, il parvient donc au Caire, capitale culturelle de l'islam et plus grande ville du monde en dehors de la Chine à cette époque.
Le roi Moussa fait alors forte impression à la cour du sultan. Tous ceux qui l'approchent vantent sa générosité et sa noblesse, ainsi que le strict respect qu'il fait des piliers de l'islam. La quantité d'or distribuée par le roi Moussa à cette occasion leur fait aussi tourner la tête. Venu avec des chameaux chargés d'or à l'aller, il n'en a plus lors de son retour de la Mecque. Le roi doit en emprunter aux marchands égyptiens avant de repartir au Mali et il leur rembourse plus tard à un taux très supérieur à ceux du marché. Quand on dit qu'il transportait beaucoup d'or, ça n'est vraiment pas un euphémisme. Hein. On dit que le passage du roi malien par le Caire aurait provoqué une baisse durable de la valeur de l'or par rapport à l'argent dans toute l'Égypte, tant il en avait apporté. Petite pensée émue hein, pour tous les chameaux qui se sont pété le dos. Voilà. Voilà, donc effectivement, j'ai bien aimé la petite remarque sur les chameaux. Donc, effectivement, on peut voilà. Donc, ça a été un des faits, effectivement, les plus marquants, voire le plus marquant de son histoire, de sa période de règne. À côté de ça, donc, déjà, ce fait-là va permettre, déjà, sur la partie arabe donc, du continent, parce que donc on dit qu'il arrive au Caire pour justement dans son périple vers la Mecque, va déjà marquer les esprits par l'or qu'il a avec lui, le nombre d'esclaves qu'il transporte, et surtout bah, le volume de sa caravane et ce qui est associé avec. Donc déjà on arrive pour certains pour la première fois dans un monde arabe qui vont, voilà, pour certains en tout cas je précise, voir un homme noir avec beaucoup de richesses, qui ont des esclaves. En tout cas, ça faisait beaucoup de premières fois, voilà, qui se passaient d'un coup. Donc tout de suite, ça marque l'esprit sur cet homme-là. Oui, et les chameaux s'en souviennent aussi. Donio qui nous dit ce stream s'associer à la pensée pour les chameaux. On n'y pense pas assez. Comment ils ont souffert. Presse F pour les chameaux. Si vous voyez effectivement le l'itinéraire, donc vous imaginez donc, du Mali actuel jusqu'à la Mecque. Donc on imagine effectivement que c'était très 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 long. Pour les pauvres chameaux de porter tout ça. Donc on a effectivement ce personnage-là qui arrive de façon fastueuse avec tout ce qu'il transporte. Donc tout de suite, une pensée qui dit, en dessous du Sahara, donc il se passe des choses déjà. Il se passe des choses qui sont plutôt intéressantes parce qu'il y a de l'or apparemment. Il y a des possibilités d'exploiter des esclaves. Il y a la possibilité de faire du commerce parce que bon, il y a aussi d'autres éléments qui viennent à côté de l'or. Donc finalement, ça a l'air intéressant cette zone du territoire. Donc il va apporter déjà une lumière sur cette zone-là, et principalement sur l'Empire du Mali tout de même, lui aussi d'ailleurs exagérant sur des récits divers de sa fastueté, de ce qu'il a comme pouvoir en tout cas sur ce territoire-là, qui ne vont pas aider aussi finalement certains éléments de l'histoire qui vont suivre derrière. Voilà. Mm-hmm. Donc il y a ce périlage à la Mecque, donc qui va effectivement bien impacter. Il y a aussi cette image d'un personnage donc très généreux, donc qui distribue de l'or à tout va, qui donc est musulman et qui respecte aussi très bien les traditions musulmanes, donc a aussi une reconnaissance de la part des Arabes sur cet aspect-là. Donc à la fois ils savent être des très bons religieux, en même temps ils sont riches, voilà. Ils sont organisés parce qu'il y a de l'esclavage, etc. Ils ont des vassaux, etc., etc. Ils sont organisés parce qu'il y a de l'esclavage. À l'époque, c'était un signe d'organisation. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? À l'époque, c'était un signe d'organisation d'avoir des esclaves, c'est-à-dire avoir la capacité d'avoir des peuples sous son joug. Mm-hmm. Donc à l'époque, en tout cas, c'était très... même à l'époque contemporaine, hein. Aujourd'hui encore, il y a certains pays où on a l'impression que c'est toujours une autre chose. Je ferme ma parenthèse. Oui, on fera la fermer. Voilà. C'est ça. Donc là, on a donc le supérieur qui aura de multiples conséquences sur l'histoire du Soudan occidental, de cette zone-là. Donc on aura l'Égypte, le Maghreb, le Portugal sur l'aspect colonial plus tard, et d'autres villes marchandes telles que l'Italie qui vont très vite s'intéresser justement au Mali parce que vont avoir les échos justement de cette parade. Et en plus qui vont être repris par plusieurs historiens, etc. Donc vont très vite arriver aux oreilles des occidentaux qui vont se dire, ah, il y a peut-être quelque chose à jouer là-bas, pourquoi pas commencer à imaginer des expéditions, voir un peu plus ce qui s'y passe et voilà comment est construite cette zone du territoire. Petite vidéo encore une fois pour illustrer, donc à 1 minute 55 on remonte dans le temps de la vidéo. Est-ce qu'elle était découpée, pas comme... Ouais, voilà, c'est pas bien monté cette vidéo. C'est ça. Nota bene, non mais il faut revoir un petit peu ton histoire africaine. Faire un petit commentaire. Heureusement qu'on est là pour reprendre correctement les vidéos de Nota bene, cet obscur youtubeur de vulgarisation historique.
Allez, c'est parti. Le Mali est le royaume médiéval africain qui a eu la plus grande renommée en dehors d'Afrique. Et pour une très bonne raison. L'or. Le Mali est en effet le fournisseur d'or du monde méditerranéen du XIIIe siècle au XVe siècle, par l'intermédiaire des pouvoirs musulmans installés en Afrique du Nord. Pour cette raison, il est mentionné dans de nombreuses sources littéraires arabes du Moyen Âge, mais ces informations ont plus rarement filtré vers le continent européen. Donc ça montre effectivement l'expansion et jusqu'à l'écho en tout cas qu'a pu avoir cet empire-là à l'extérieur du territoire. Donc on a cette image effectivement de cette personne-là, donc qui va présenter son empire déjà comme un Eldorado, donc invité implicitement ou explicitement. On saura au sens, tu traduis de l'espagnol, effectivement, le pays, un pays d'or. C'est ça, exactement. Donc venez, chez moi il y a de l'or. Du coup, il n'y a pas que des gens bien intentionnés qui s'y sont intéressés. L'idée, je pense, initialement, c'était venez voir à quel point on peut être organisé, à quel point je suis un maître incontesté. Mais par ailleurs, ça aura d'autres effets. Il est intéressant aussi d'un point de vue historique parce que c'est l'un des rares souverains dont on aura un portrait. Donc, il sera attesté par plusieurs historiens que c'est effectivement quelque chose qu'on... Il a vraiment existé. Il a vraiment existé. Mansa Moussa, c'est réel. C'est réel, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est repris dans Civilisation, parce qu'au moins la discussion ne se fait pas trop, peut-être. Oui, Mansa Moussa, je connais. Je connais ça. Donc, c'est l'un des rares... Le noir qui fait... qui distribue les billets d'or ou les pièces d'or à profusion. Donc, voilà. Donc, c'est le 50 Cent de l'époque, finalement. Exactement. J'arrête tout de suite parce que ça commence à devenir... Je dérape. Là, les traits historiques, les liens historiques vont être compliqués à faire, mais l'idéal. Donc, il a su faire venir donc, au sein de l'Empire Mali, donc, notamment aussi beaucoup de savants, beaucoup de personnes lettrées et notamment pas mal d'architectes, parce qu'il était féru d'architecture. Donc, ce qui va aider aussi à construire toute une culture autour de l'Empire du Mali, qui va aussi avoir une résonance donc beaucoup plus loin que le continent africain. On lui reconnaît aussi donc une caractéristique de bâtisseur. Donc on a plusieurs édifices à l'heure actuelle donc sur justement l'ancien Empire du Mali qui ont été édifiés sous son règne. Donc notamment les mosquées qu'on connaît à Tombouctou, qu'on connaît à Djéné, qu'on connaît bien sûr aussi dans certaines autres villes du Mali, ont été fortement influencées par l'architecture qu'il a amenée d'une part des produits arabes et aussi de l'influence qu'il a voulu donner. On a donc aussi une personne, à l'époque en tout cas, amoureux des belles lettres, donc toute une littérature qui va se créer autour de lui, donc négro-arabe, reconnu comme négro-arabe, qui va mélanger encore une fois l'influence arabe et lui, ce qu'il y avait comme culture africaine, ou en tout cas culture malienne à l'époque, qui va créer tout un ensemble de repères culturels sur la littérature et qui vont aussi être lus, donc ce sont des œuvres qui vont être lues aussi à l'extérieur du continent et qui vont aussi profiter finalement à marquer cet empire-là. Alors attends, je fais une pause parce que tu viens de dire énormément de choses sur tout ce qui a été fait à cette époque dans cet empire et tout l'apport culturel, toute la construction culturelle à base de mélange. Le marquage historique surtout que ça a permis. Mais à un moment donné. Je vais revenir à un truc beaucoup moins haut dans le niveau de l'émission. Ouais. Mais quand même, je bloque depuis quelques instants sur le blason du gars. Je sais pas si vous voyez bien. Et on a une espèce de loup qui est en train de se bouffer une flèche ou en train de se la prendre dans le... C'est... À moins que ce soit... on dirait qu'il est en train de se prendre une flèche, le loup. Si certains aussi ont des repères, notamment sur l'Empire occidental, notamment l'Empire français, il faut dire que tous ces dessins, ce sont des dessins qui n'ont pas été faits par des Africains. Oui. On a notamment une tapisserie qui est au musée à Paris, j'oublie le musée, pas le musée des civilisations. Celui de Chirac. Oui, voilà, j'oublie le nom. Musée des Arts Premiers. Musée des Arts Premiers. Qui est Branly, machin. Okay, voilà, exactement. Donc, qui est où il y a une représentation justement aussi de Mansa Moussa, qui est finalement dessiné comme un empereur français. C'est-à-dire avec tous les ornements, tout ce qu'on peut attribuer. Donc souvent les dessins qui étaient attribués, on avait l'image de l'empereur à l'occidental, avec tout ce qui devait aller avec.
D'après, d'après Donio, du coup, ça, c'est plutôt un dragon. D'accord. Bah, et voilà, il serait plutôt que se prendre une flèche dans la gueule, ouais. Parce que c'est bizarre comme blason, il serait en train de cracher du feu. D'accord. Ça veut dire je crache du feu. Bon, d'accord. Bah, dans tous les cas, c'est forcément une image exportée parce qu'il n'y avait ni dragon, ni quoi que ce soit. En tout cas, ça ne fait pas partie de la... Ah bon de... Parce que nous, oui, on avait des dragons. Les vikings. Mais dans le folklore africain, le dragon n'existe absolument pas. D'accord. Donc c'est forcément un blason exporté qui a été accroché là parce que ça faisait joli. Mais sérieux, du coup, il y a quoi comme gros monstre? C'est quoi le gros monstre qui fait peur? Souvent, on était beaucoup sur des monstres marins, plutôt. Ah d'accord. Beaucoup, peut-être même Iwata, des choses que vous avez entendu parler, qui font beaucoup parler aussi du spirituel plus que d'autres choses. On a le lion, parce qu'il revient aussi beaucoup dans certaines... on était sur des zones forestières, donc forcément, tout ce qui est lié à la savane et autres. Ce qui ressort encore le plus régulièrement, c'est cela. Mais encore une fois, comme c'est divers peuples, chaque peuple avait plus ou moins sa thématique à lui, ou son animal fétiche en tout cas. Mais beaucoup de lions qui va beaucoup ressortir sur pas mal de blasons, ou même jusqu'à aujourd'hui de reprendre. D'accord. Bah merci, je suis assez content de ma parenthèse là. Ouais, ça apporte des éléments, mais donc bien comprendre que c'est pas des dessins qui sortaient du continent lui-même. Darkwinder a dit les monstres marins pour les peuples côtiers, j'imagine. Et comme moi-même effectivement je suis de Côte d'Ivoire, donc j'ai plus cette image là, notamment du Ghana, Libéria, qui n'est pas côtier, mais bon, en tout cas qui est une part, Bénin, toute cette zone-là, donc très très influencée surtout par des monstres marins. Voilà. Sur l'intérieur du côté Sahel, j'ai moins de références sur qu'est-ce qui était mis en avant. Ok. Ouais. Question. Et en parlant du musée, oui. Est-ce que tu l'as vu Non. La question a été posée la dernière fois, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais j'ai beaucoup d'a priori, je l'avoue, j'ai beaucoup d'a priori sur ce qui s'y fait. Et comment les œuvres sont arrivées sur place. Mais il faut quand même que je le visite au moins pour avoir un avis personnel sur la question. À mon avis, c'est pas que des a priori. Ouais. Mais... ouais. J'ai trouvé ça assez particulier. Gênant. Assez le temps béni. Pas aussi clair que ça. Mais gênant. D'accord, c'est bien réussi. Bon. Alors. Bon, à l'occasion, donc, si la visite se peut, je vais faire un retour ici pour raconter. C'est ça. Donc, dans cette période-là, donc 15e, 16e siècle, on a donc les villes de Djéné et de Tombouctou, qui existent encore jusqu'à l'heure actuelle, qui vont fortement ressortir dans l'histoire de l'Empire du Mali. On va avoir aussi un fait qui est peut-être important à dire sur le fait qu'on n'arrivait pas à repérer précisément quelle était la capitale de l'Empire, du fait justement de ces multiples royaumes qui se créaient. On n'est jusqu'à présent pas capable de dire où était le noyau de cet empire-là, où était le cœur politique. Parce que, de fait, des invasions qui étaient à risque, on avait un empereur qui bougeait beaucoup. Aussi pour montrer qu'il était là, donc aller beaucoup de lieu en lieu. Donc on n'arrive pas à déterminer un centre, un cœur en tout cas, même s'il y a certaines estimations qui sont faites. Et souvent, en tout cas dans les dernières remarques que j'ai pu entendre sur pourquoi il faut que la guerre au Sahel s'arrête, c'est beaucoup d'archéologues d'ailleurs qui avaient commencé des travaux sur justement repérer et un peu plus documenter justement ce cœur politique de cet empire-là et qui n'ont pas pu parce qu'actuellement il y a eu beaucoup de destruction d'œuvres archéologiques, etc. Donc un peu l'actualité qu'il y a actuellement avec la guerre. Alors attends, on va retourner voir la carte et tu vas nous dire... qu'on est supposé mettre les différents endroits possibles de cette capitale. Est-ce que c'est plutôt vers Niamey? Donc on va être plutôt vers Bamako. On va être plutôt donc cette zone-là. Par ici. J'arrive pas à lire ce qui est là. Pour quasi en Mauritanie alors. Voilà. Donc on est plutôt effectivement sur la frontière mauritanienne-malienne. D'accord. Qui a été coupé au. Parce que dans cette zone-là, donc une ville qui s'appelait Nani. D'accord. Et donc qui était considérée en tout cas parce que de façon déjà centrale à l'Empire du Mali à un moment donné, et aussi avec une proximité avec le monde arabe qui facilitait notamment le commerce avec cette zone-là. Donc plus ou moins dans cette zone-là, on considère qu'il y avait le centre politique du et commercial et économique de l'Empire du Mali. Et alors, pendant qu'on parle de ça, on est totalement dans le sujet, là, il y a une question hyper intéressante de Darkwinder. Est-ce que les villes de l'époque, du coup, qui occupent l'espace politique / stratégique à l'époque, donc, sont les mêmes qu'aujourd'hui ou pas du tout? Et est-ce
la colonisation plus tard qui a redessiné ses cœurs. Donc, bon, j'imagine qu'on anticipe un peu la question, donc bien évidemment non. c'est les villes à l'époque avaient donc Tombouctou à l'heure actuelle quand on en parle, bon c'est une ville au Mali, il y a un peu de désert là-bas, bon, tout le monde s'en fout hein, clairement. Djéné c'est pareil, alors qu'à l'époque c'était vraiment les cœurs économiques. Tombouctou c'est par là. Donc Tombouctou effectivement c'est plus à l'est du Mali, donc bien centré, ouais. Bien chaud dans cette période-là. Ouais, ouais. Tombouctou et Djéné, est-ce que j'arriverai encore? On est plus sur la partie basse, en tout cas, du Mali. Par rapport à Bamako. Voilà, on va être dans cette zone-là. On est plus proche de Bamako. Plus proche de la Guinée, notamment, dans cette zone-là. Ouais. D'accord. Proche du Bamako, effectivement. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est Bamako qui a le cœur de la fonction politique, en tout cas, au Mali. Mais avant, Bamako, tout le monde s'en foutait, clairement. Enfin, c'était une ville que personne considérait, qui a été créée de tout fait par le colon, parce que plus facile en termes de mise en place des voies ferrées. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces histoires-là. Mais voilà. Okay. Bamako n'existait pas à l'époque. C'était vraiment d'autres villes qui étaient pensées par rapport au commerce de l'or, principalement, et qui étaient pensées aussi par rapport au centre culturel et économique qu'ils pouvaient avoir. Voilà. Et aujourd'hui, on le voit encore une fois avec les frontières qui ont été dessinées, on n'est plus du tout dans la configuration qu'ils pouvaient avoir avant. Comme je le disais, le Ghana actuel n'a rien à voir avec l'Empire du Ghana. L'Empire Soso n'a plus les mêmes frontières que la Guinée actuelle. Enfin, plus rien n'est dessiné de la même façon. Mmh. On voit très bien comment les colons sont arrivés par les côtes et effectivement comment ils ont repéré des villes stratégiques pour s'y implanter qui sont par la suite devenues les noyaux de ces pays-là. C'est vraiment arrêté ça. Et alors, autre question, là on élargit un peu la focale. Ouais. Est-ce que le climat était déjà celui qu'on connaît actuellement dans cette zone? Mmh. Est-ce qu'il est devenu plus désertique encore depuis cette époque? On a dans les quelques archives, en tout cas que j'ai pu lire sur tout ce qui était lié à la climatologie, on avait plus de désert qu'à l'heure actuelle. Ah oui? C'est-à-dire le Sahara s'étendait un peu plus justement sur la partie basse. D'accord, ça c'est un peu contre-intuitif pour le coup. Ben, en tout cas, ça c'est encore avec les sources qu'on a et qui dit la vérité. Ouais, quoi, ouais. Voilà. Est-ce que c'est le fait justement qu'il y ait de l'animation urbaine, on va dire, qui a permis peut-être de repousser à un moment donné le sable, pour aller vite, vers d'autres contrées. Mais, par exemple, lorsqu'on a le récit du parcours de Mansa Moussa et de son pèlerinage, très tôt, on va voir, dès le début du démarrage de la caravane, des étendues désertiques. Des étendues désertiques à traverser. On dit, mais tiens, mais il n'y a pas le désert ici, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc après, bon, sur la partie soleil et qu'il fasse très chaud, j'imagine que oui, ça a toujours été le cas. Mais voilà, j'ai pas plus d'informations que ça sur ce niveau. À part que Darkwinder, il forme une hypothèse aussi, effectivement, de parties d'Afrique qui auraient été plus irriguées par la suite. Et c'est très probable, effectivement. Ouais. Parce que lorsqu'on commence à rentrer dans des extractions d'or ou de différents minerais, au bout d'un moment, on a besoin d'eau. Et il a fallu apporter justement cette... Voilà, exactement. Donc il y a dû avoir, effectivement, que ce soit par les colons ou même avant par les peuples qui y habitaient, des différentes manipulations qui ont été faites pour repousser le désert, ou en tout cas les terres qui existent à l'époque. Donc on a le développement urbain de ce territoire qui se fait, donc cette expansion, ce marquage dans l'histoire qui a lieu, jusqu'à ce que, à partir du 16e siècle, on a les Portugais qui arrivent et qui foutent la merde, qui commencent bravo les Portugais attirés justement par les échos de l'Eldorado, qui vont commencer à intégrer, en tout cas entrer dans cette terre, donc via les côtes. Essayer de mettre sous joug l'Empire malien, qui va avoir... Ils arrivent plutôt par là, ils vont pas trop à l'intérieur. Ils arrivent pas... Mais très rapidement, on trouve l'Empire malien. Donc il est jusqu'ici, l'Empire malien. Donc eux, ils arrivent justement par les côtes guinéennes et guinée-équatoriale. Voilà, ouais. Voilà, donc le guinée-équatorial qui parle encore portugais jusqu'à présent. Et qui vont, sans rentrer très loin, étant donné que le cœur était par là, ils vont assez rapidement, en tout cas, rejoindre le cœur politique. D'accord. Le Mansa Moussa, c'était plus Mansa Moussa à l'époque lorsqu'ils arrivent, mais l'empereur de l'époque était assez sur la défensive à venir les rejoindre. Il était plutôt sur l'attaque qu'on attend de voir ce qu'ils avaient. Bon, effectivement, au niveau armes, etc., n'était pas assez équipé, donc se font rétamer assez rapidement.
contrairement à d'autres peuples qui ont beaucoup plus résisté en tout cas que ceux de l'Empire du Mali. Donc effectivement voilà, on n'aura pas une grande résistance non plus, et des Portugais qui étaient beaucoup plus préparés à ce type d'invasion que l'Empire malien était pour le défendre. Donc voilà, ils arrivent par les côtes, effectivement dans l'idée de s'enrichir au maximum, de prendre l'or dont ils ont entendu parler. Et donc l'Empire malien, après cette phase-là, va petit à petit effectivement s'effondrer. Et derrière ça, donc, on va avoir notamment les royaumes côtiers, donc l'ancien royaume Ghana qui va devenir le royaume Ashanti, donc le Ghana actuel cette fois-ci, et qui va prendre de l'importance. Donc la Côte d'Ivoire aussi fait partie de ces zones-là qui va se développer, notamment par le commerce de l'ivoire après, d'autres métaux. Et petit à petit on va voir effectivement cet empire du Mali qui était lui un peu plus dans les terres et qui va avoir de moins en moins d'or parce qu'il y a eu d'autres invasions notamment arabes aussi qui vont impacter beaucoup le commerce qui se faisait. Donc on va voir cet empire du Mali qui va s'effriter, qui va s'éteindre de plus en plus et complètement disparaître au 16e siècle. Image 5 pour terminer en tout cas voilà, sur le visuel. Oh là là, ça c'est nettement gâté depuis. C'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard, en tout cas, l'arrivée des Portugais? On a je trouvais intéressant cette carte, notamment sur la place que a la France dans la présence, en tout cas, voilà, africaine. Dans cet espace des empires, de système voilà. D'empires ouest-africains. Voilà. Ouais. Et on se rend bien compte que, finalement, c'est une grande partie de l'empire malien qui a été couverte, justement, par la France, donc qui a débuté par les Portugais dans un premier temps. Mais très rapidement, les Français sont arrivés sur cette zone-là. Et bon, après, on conquit tout ce qu'il y avait à conquérir. Donc on se rend compte finalement, je disais dans la première émission qu'il y a une histoire très forte justement entre le Mali et la France. Ça vient déjà d'une partie, donc quand s'est fait ce croisement justement entre colons et restes, vestiges de l'Empire malien, il y a déjà une histoire qui commence déjà à ce niveau-là et qui va de fil en aiguille s'approfondir, se renforcer via d'autres échanges. Donc là, et le Sénégal aussi, qui fait partie d'un des pays très impacté aussi par la colonisation française, qui était moins sous un joug d'empire, c'est l'empire Wolof à l'époque, qui était très, très petit comme empire en tant que tel, mais qui existait quand même, et qui va être le point d'entrée des Français sur le continent africain. Donc on voit par cette carte-là que c'est vraiment finalement l'empire du Mali qui va devenir le fameux AOF, ou une grande partie de l'AOF que nous connaissons. Afrique occidentale française, qui couvrait cette partie-là. Exactement. Et ici, vous aviez plutôt l'Afrique équatoriale française, voilà. qui a repris ensuite toute une partie qui était colonisée par l'Allemagne entre la fin du 19e et le début du 20e jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale en gros. Exactement, voilà. Donc et toute la partie effectivement avec le Cameroun. Mais là, parle déjà d'une prochaine émission que nous ferons plus tard. Nous sommes après la colonisation et quel impact que ça a pu avoir justement. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis effectivement de comment cet espace dont on vient de parler de l'histoire, d'une époque de l'histoire qui est très riche et qui est assez fondatrice de plein de choses. Ça se recoupe effectivement avec cette ère coloniale et comment cette histoire-là s'est connectée à un moment donné avec l'histoire française. L'histoire française, c'est ça, exactement. Et comment aussi ces colons vont utiliser justement ces structures existantes pour soit mettre sous joug d'autres peuples en utilisant justement ces grands empereurs. Voilà, en les détournant par divers moyens, mais qui vont utiliser justement cette organisation qui existait pour aller très très loin justement dans la colonisation et la voûte pardon que mettait la colonisation sur la chape. La chape, merci. Voilà, donc pour créer cette chape, ils vont aussi utiliser justement les empereurs ou les rois qui étaient à ce moment-là présents pour dire voilà, nous voulons du bien, est-ce que vous pouvez nous aider à aller encore plus loin pour découvrir d'autres richesses, pour aller voilà, pour faire l'amitié. C'est pas passé exactement comme ils avaient prévu. Donc voilà en gros en tout cas l'histoire voilà, les grandes lignes sur lesquelles j'avais voulu revenir aujourd'hui. Encore une fois, je sais qu'il y aura sans doute des frustrés parce qu'il y a toujours des éléments pointueux sur lesquels on peut aller et qui sont très intéressants, sur lesquels aussi on peut passer voilà, du temps. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment comment voir, via l'histoire de ces deux personnages qui ont marqué l'Empire du Mali, comment voir à quel moment, comment ils ont marqué justement l'histoire mondiale
si on peut le dire comme ça, par leurs faits, et comment finalement cet empire du Mali a été finalement les vestiges d'une ère de colonisation et a fourni finalement peut-être aussi les arguments via ce qu'ils ont pu montrer à l'extérieur de ce qui se passait dans ce territoire-là, comment ça a pu être un argument pour justement que la colonisation arrive sur ces terres-là. Conclusion, si vous voulez pas qu'on vienne vous emmerder chez vous, ne baladez pas partout avec votre or. C'est ça, exactement. Ne faites pas de publicité que vous allez regretter par ailleurs. Vous avez vu comme je résume vachement bien l'émission, j'ai ramené ça à un niveau, voilà. Ouais. Non, c'était hyper intéressant. On a Donio qui demande la tache blanche pour l'Éthiopie. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais connecté à ce moment-là, Donio, de l'Éthiopie. Ça a été quasiment un des seuls espaces qui n'ont pas été trop colonisés, avec le Libéria qu'on voit de l'autre côté d'ailleurs, vous voyez, juste au-dessus de l'écriture Océan Atlantique. Libéria dont l'histoire est extrêmement, alors plus contemporaine pour le coup, et extrêmement passionnante aussi, le lien que ça a avec les États-Unis, différentes... guerre civile absolument horrible. C'est un pays créé de toutes pièces. Je pense que voilà. Dans un pays créé de toutes pièces, c'est le meilleur exemple. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. En tout cas, c'est un exemple assez incroyable. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire pour revenir sur l'Éthiopie. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, l'Éthiopie n'a pas été vraiment colonisée. Et effectivement, quand tu parles de colonisation par l'Italie, Donio, ça a été un moment de quelques années d'occupation, mais que l'Italie n'a même pas réussi à maintenir jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Ils ont du mal à revendiquer, d'ailleurs, parce que c'était assez compliqué. Voilà, c'est ça, Donio. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, en tout cas, merci, grand merci. Toujours avec un grand plaisir. Brice. Plaisir largement partagé, je peux te le dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais... là, franchement, tu as, pour reprendre une image sportive, tu as élevé ton niveau de jeu. Déjà, on a collectivement élevé notre niveau de jeu au niveau, je pense, de la qualité de la diffusion. Là, c'est quand même pas mal d'être dans la même pièce pour les réactions, on est accueilli par quelqu'un qui nous apporte des moyens matériels de diffusion. Là, on a tout ce qu'ils sont sans commune mesure. Voilà. Merci la régie, merci les modos, merci Darkwinder, merci Donio. Et encore merci Brice. On se retrouvera, on se le disait avant l'émission, on se retrouvera pour la prochaine fois ensemble en septembre. Parce qu'au mois d'août, petite interruption, et j'en profite pour dire interruption aussi de Qu'est-ce que t'en dis, où on reviendra peut-être fin août, mais plus probablement début septembre, avec de nouveaux projets, que pour autant je vais continuer à préparer, on va continuer, toutes celles et ceux qui sont embarqués dans cette aventure, voilà, non sans prendre un temps de repos et de distraction tout à fait essentiel et utile. C'est ça, faut équilibrer un peu. Voilà, est-ce que tu, avant qu'on se sépare, est-ce que tu veux donner quelques conseils en particulier si c'est pour certains qui veulent approfondir sur cette époque-là de l'histoire de l'Afrique et de cet espace africain. Donc peut-être ce que j'ai envie de dire... C'était génialement intéressant, dit chouette. Ah, tant mieux. peut-être effectivement si vous voulez aller plus loin, donc bien axé sur la partie du règne de Mansa Moussa, parce que c'est vraiment là où on va jouer beaucoup de choses sur l'Empire du Mali. Un peu moins sur la partie création de l'Empire avec Sunita Keïta. Donc, je vous ai préparé encore une fois tout un ensemble d'éléments, de sources, que vous etc. pouvez retrouver, on pourra les retrouver dans le Discord. Voilà, donc on le partagera. Allez voir dans le Discord. On le partagera et donc vous aurez donc tout un ensemble de sources qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin et de podcasts, d'audio qui rentrent beaucoup plus dans les détails. Voilà, donc vous aurez tout un ensemble d'informations. Voilà. Mais si vous voulez aller vraiment dans les détails, effectivement, donc c'est vraiment c'est la partie du règne de Mansa Moussa qui est très très intéressante à divers niveaux, notamment sur le volet culturel et architectural que j'apprécie aussi par d'autres mesures, donc ce qu'il a pu apporter, comment ça a marqué le continent africain jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, si je devais préciser en tout cas quelque chose, ce serait plutôt ce point.
Je rappelle également qu'on peut retrouver, et on pourra bientôt retrouver la troisième, et on retrouve déjà les deux autres émissions qu'on a faites avec Brice sur YouTube. Je vous ai mis le lien également dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité de la chaîne YouTube aussi, et les différentes vidéos d'émissions que vous pouvez retrouver maintenant. La chaîne YouTube de Qu'est-ce que t'en dis, c'est quasiment une trentaine de vidéos de formats plus ou moins longs et avec des sujets assez divers. Je pense que maintenant ça permet d'avoir une palette assez importante, et je pense que ça permet aussi, je m'amuse pas à regarder toutes les émissions et toute l'évolution depuis les débuts, mais je pense que ça vous permet de voir aussi quelle a été cette année. Vous pouvez cet été, si vous vous ennuyez, si vous vous ennuyez de nous, vous pouvez par exemple effectivement voter pour l'émission que vous avez préférée. C'est ça. Voilà. Chouette Mama, peut-être que c'est ce soir, vu qu'elle n'a pas fait de commentaires aussi incroyables pour les précédentes émissions. Mais sinon, vous pouvez aussi vous faire une petite rétrospective, qu'est-ce que t'en dis, et voir un petit peu comment l'émission a évolué au gré de, voilà, des progrès technologiques, de matériel, d'habitude aussi d'animer les choses, les différents sujets qu'on a pu aborder. Et on se retrouvera de toute façon à la rentrée. Il y aura bien une saison 2 de Qu'est-ce que t'en dis, avec de nouveaux projets, une connexion toujours meilleure, encore d'autres invités. Toujours, voilà, toujours les projets ne manquent pas. Et voilà quoi, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut juste vous souhaiter un bel été, et vous souhaiter qu'il soit reposant, effectivement, que vous puissiez un peu... vous changer les idées, partir en vacances plus ou moins loin, et puis rentrer à, effectivement un minimum reposé et frais. Et frais, c'est on ça. On peut le dire. voilà. Est-ce qu'on raid quelqu'un? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un raid? Ils sont en train de se demander chez eux, des gens qui se disent, mais quelle est tout à coup cette... envie barbare de Qu'est-ce que t'en dis. Il s'agit d'aller rendre visite à une chaîne Twitch amie. Voilà. Tandis que Donio propose un sondage. On regarde toutes les émissions sur YouTube pour les noter. Toutes les émissions Qu'est-ce que t'en dis, bien sûr. Hein. Il y en a qui proposent d'avoir piscine. Bon, moi je vote, mais je ne dis pas pourquoi je vote. Voilà. Comment on enlève ce sondage du coup quand... Ah oui, c'est par là. Que je fasse pas de bêtises. Sondage en cours, voilà. Merci Donio. C'est une belle initiative ça. Antipatriarcam, Lex Calvin et les intergalactiques. Alors des intergalactiques qui sont jamais très nombreux, ça me donne un peu envie d'aller les soutenir. Ils font quoi ce soir les intergalactiques? On peut voir en direct du coup les sujets qui sont abordés. Alors... S'ils le mettent, non. Ah ouais, soirée nénard, alors je sais pas. ça va être chill. Ouais, beau. Après Lex Calvin, faut être habitué. Lex Calvin, faut être habitué, ouais. Il y a une chaîne YouTube. Mais lui, il remarquera quand on va arriver, contrairement aux autres que je vois qui sont en balance. Bon écoutez, on va aller voir chez Lex Calvin, on va voir si ça vous plaît ou pas, on va lui faire un petit coucou. Nous, on vous souhaite un bel été, de belles vacances pour celles et ceux qui peuvent en prendre. Et on se retrouve à la rentrée, plutôt vers la troisième semaine de septembre avec Brice, mais avant certainement sur la chaîne Qu'est-ce que t'en dis. Voilà, faites de beaux rêves et à bientôt. Je m'apprête à lancer le raid. Et on va se dire au revoir. Au revoir. Et quand... Il a raison, je reviens, on revient.
Il a raison, Mac Butcher, et le vote. Mac Butcher a contribué avec 1000 points de chaîne. Ah d'accord, donc en fait, non, pas et le vote. Ça, c'était le post-générique. On réapparaît 4 secondes pour... Merci Mac Butcher pour cette fin incroyable. Allez, on part en raid. Salut tous.